mondiale. Depuis mars 2016, de nombreuses mobilisations se sont succédées. Nous, écologistes, jeunes ou moins jeunes, nous avons battu le pavé pour défendre notre loi travail. Enfin, notre vision du travail. Pour résumer notre sentiment, nous vous proposons une petite vidéo que Johan va vous lancer. Johan ! Double pic ! S'émanciper du salariat. Pour nous en parler, nous avons invité Karima Lévy, eurodéputé du Nord, Jean-Luc Cessard, sénateur de Paris, et François Nicolas, mouvement français de l'Union. Vas-y, François ! Hop, très bien. Dans une autre approche au travail, en tant qu'écologiste, il y a quelque chose qui nous paraît fondamental. C'est le revenu de base, ou revenu universel, ou tout autre nom donné à ce revenu. Ce qui est important, c'est qu'il soit disponible de la naissance à la mort, et qu'il serait inconditionnel, sans contrepartie, cumulable, individuel, et un droit inaliénable. Pour nous en parler, donc nous avons invité François, Jean et Karima. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mais première question, rapide, c'est quoi le revenu de base, François? C'est quoi sa définition pour le mouvement français du revenu de base? Du coup, on va passer le micro. Voilà, donc, le mouvement français pour le revenu de base est un mouvement transpartisan, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas les partis politiques, mais il ne se prononce pour aucun. Son seul but, c'est le revenu de base. Donc il a fallu d'abord commencer par s'entendre, en discutant par consensus, avec la sociocratie pour ceux qui ont parlé de ça, et on a abouti à une définition qui peut correspondre à plein de modèles politiques différents. Donc notre définition, elle est simple, c'est le revenu de base est un droit
inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc tous ces points, ça peut vraiment correspondre à n'importe quel modèle de société. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, et là, nos parlementaires vont pouvoir défendre ça. C'est vraiment important que LV nous saisissions de ça, de sorte que le modèle de société qui accompagne ce revenu de base soit un modèle société que l'on aime. Néanmoins, de cette définition découlent quatre principaux faits. En fait, choses qui sont incontournables, qui font que, du coup, ça ne peut pas vraiment être soutenu quand même par tout le monde. Le premier truc, c'est la notion de droit. On le répète, nous, tout le temps, c'est la fin du plein emploi. Il faut arrêter avec ces conneries, et c'est fini, ça. On ne va pas le retrouver. Or, dans notre Constitution, dans notre droit, on est encore sur l'idée que chacun a le droit de répondre à ses besoins, en fait, avec un emploi, avec un travail. Donc, nous, il faut clairement zapper ce côté travail et aller directement au revenu. Et dire tout simplement que c'est un droit à chacun de vivre. C'est un droit donc à chacun, puisque nous sommes dans une société, qu'on le regrette ou non, très financière, où l'argent compte beaucoup. Chacun doit pouvoir avoir un revenu. Et ça, il faut qu'on l'inscrive dans notre droit. Deuxième point, on est sur une mesure économique dans tous les cas. Dans tous les cas, on est sur une réorientation de l'économie pour une petite part, mais une part suffisante. On est sur une réorientation de l'économie vers l'économie réelle. C'est-à-dire que là, on sait que ce revenu de base, il est là pour les besoins de base. Donc pour la majorité des personnes, ça ne change juste rien. Par contre, pour ceux qui n'ont pas accès aux éléments de base de vie, généralement on va parler du logement, de la nourriture, de la culture, de l'éducation, de la santé. Pour cela, ils vont avoir de quoi réinjecter dans l'économie et influencer l'économie pour qu'elle réponde à ses besoins. Donc on est sur une petite part qui est actuellement une toute petite part de l'immense masse qui sert à la spéculation, qui peut revenir en fait sur l'économie réelle. Troisième point, et ça c'est très important, c'est qu'on arrête avec la stigmatisation des personnes qui sont les victimes de notre société. Actuellement, les victimes de nos sociétés, on les appelle les assistés. C'est horrible. C'est-à-dire qu'un assisté, pour moi, c'est quelqu'un qui profite du système. Quelqu'un qui profite du système, c'est quelqu'un qui a le moyen d'en profiter. Qui a les moyens de profiter du système? Celui qui est multimilliardaire, celui qui est multimillionnaire, celui qui gagne plus que les autres. Lui, il profite plus des systèmes que les autres. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte que de parler de ceux qui ont 500, 600, 800 euros comme des assistés. Ou 850 euros comme des assistés. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins de revenus sont ceux qui sont exploités. Et en aucun cas d'assistés. Donc comme le revenu de base est inconditionnel, il est distribué à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah ben toi tu as le revenu de base, tu fais avec ça, mais toi tu l'as aussi. » C'est un truc que tout le monde a. Il n'y a personne qui est assisté et on voit du coup qui sont les vrais assistés. Les assistés sont les plus riches. Et enfin, dernier point, il va y en avoir d'autres, mais il faut quand même laisser la parole. L'autre point très important, quel que soit le système, c'est que c'est de toute façon un rééquilibrage du rapport de force entre employeur et salarié. Parce que si un salarié, s'il n'accepte pas des conditions et qu'il se retrouve au chômage et que du coup, il va perdre sa maison, pas être capable de nourrir ses enfants, enfin, pas être capable de vivre, l'employeur peut faire et dire n'importe quoi. On peut accepter n'importe quoi. S'il y a un revenu de base, il y a une sécurité, quelque chose qu'on touche de toute façon, qu'on a toujours touché, qu'on touchera toujours, on est capable de négocier. On est capable de négocier, et pour nous, écologistes, si on change ce rapport entre employeur et salarié, ça veut dire qu'on est quand même un peu plus relax quand on va voir une centrale nucléaire et qu'on dit aux personnes qu'il faut la fermer. On est un peu plus relax parce qu'on sait qu'on ne met pas à la rue. Nous, c'est quand même égoïstement un peu pratique de se dire que les gens ne sont pas obligés de faire des conneries. Ils peuvent vivre décemment grâce à un revenu de base sans être employés à des boulots qui tuent la planète, qui nous tuent, qui les tuent par leurs conditions de travail. Voilà. Merci. Comme tu le dis, François, des déclinaisons du revenu de base, il y en a plein. Ainsi,
nous avons des revenus universels défendus par des politiques de droite. Est-ce que ça veut dire qu'il existe des politiques de droite non conservatrices ? Oui, ou tout simplement, c'est que ces revenus de base-là ne reprennent pas les trois axes fondamentaux que nous défendons, nous, écologistes, qui sont fonder un nouveau pacte social, lutter contre la pauvreté et s'émanciper du salariat. Quel est le revenu de base porté par les écologistes, Karima ? Bonsoir à tout le monde. Je tiens juste à m'excuser auprès de Alain Colombel, de mes amis Eva Joly, Michel Rivasi, Yannick Jadot et aussi les collègues de Normandie. J'ai boudé les ateliers parce que j'ai un réveil d'hernie discale qui fait que malheureusement j'ai pas pu être là, donc veuillez m'excuser. Mais je suis là ce soir parce que je considère que cette idée du revenu de base, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée de bon sens. Il y a 30 ans, un candidat à la présidentielle disait déjà « Je n'ai pas besoin d'emploi, j'ai besoin juste d'un revenu. » Qui disait ça ? Coluche. Coluche ! Bravo ! En fait, nous sommes dans un moment très sérieux. Dans 20 ans, votre voisin, vous pouvez le regarder, de droite ou de gauche, n'aura pas d'emploi. Ça veut dire en gros que 50% de cette salle, vous le choisissez à droite ou à gauche. Ça veut dire en gros que la moitié de la salle, hop, vous pouvez sortir, on n'a plus besoin de vous dans 20 ans. Non, mais restez. Puisqu'on a un phénomène nouveau, c'est l'automatisation, la numérisation, qui va détruire 50% des emplois dans le monde occidental d'ici 20 ans. 20 ans à l'échelle de la planète, c'est rien. C'est demain. Et quand vous regardez notre société qui avance, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Dans 20 ans, il n'y aura plus de chauffeurs. Alors aujourd'hui, on parle du taxi Uber, etc. Je peux vous le dire, moi je suis la commissaire au transport au Parlement. Il n'y aura plus de chauffeurs. Les voitures automatiques et autonomes n'auront plus besoin de ça. Ensuite, aujourd'hui, on parlait des caissières. Énormément de caissières ou de caissiers, on les remplace par des machines. Bientôt, chacun d'entre vous va pouvoir, à partir d'un drone, commander sa pizza bio à domicile. Vous voyez que ces phénomènes-là, au fait, vont bouleverser le monde du travail. Et face à ce monde du travail, nous les écologistes, nous sommes des réalistes, mais aussi des prospectivistes. Quand je dis prospectivistes, ça veut dire tout simplement que certains sont encore dans des vieux schémas. Il y en a même qui veulent retourner la courbe du chômage en allant chercher la croissance. Alors lui, il dit pas avec les dents, mais quand même, aller chercher la croissance. Sans commentaire. Et au fait, c'est ce monde-là qui est très terrible, parce qu'on est en train de résoudre la question, notamment du chômage, en reprenant toujours les solutions plus du passé, mais du début du siècle. Et donc, est-ce qu'il faut s'alarmer par rapport à ce qui est en train d'arriver ? Oui. Eh ben non. Il ne faut pas s'alarmer, il faut se saisir de cette nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui va montrer que la révolution numérique va nous mettre au pied du mur. Au pied du mur, parce que la question fondamentale derrière ces questions, c'est la question de la production de valeur et sa redistribution hors salaire qui se pose à nouveau et qui est neuve. Et nous, les écologistes, eh ben, quand on parle d'économie, lorsqu'on parle du revenu de base, ça veut dire qu'il y a tout à reconstruire. Et c'est une occasion en or de faire cette transition vers la société qui est une nouvelle société, pas de consommation consumériste à outrance, mais une société écologiste, mais une société contributive, où, tu l'as dit, on arrêtera de perdre sa vie à la gagner,
Et cette société contributive sera basée sur un revenu de contribution. Alors cela suppose, il faut repenser le travail de fond en comble, notamment en termes de production, de répartition des richesses et également d'outils. Alors, vous m'avez posé une très bonne question. Est-ce qu'il y aurait une droite qui serait un peu plus sympa et qui pourrait dire « Oh là là, c'est super, le revenu de base comme idée de demain ». Attention, et je regarde le mouvement français du revenu de base, fais attention parce que souvent on dit le revenu de base, c'est ni droite ni gauche. Il y a une espèce de consensus, mais derrière le consensus, il y a des vrais clivages sur deux ordres. Le montant et la finalité. La droite, je vous le dis, ne voit le revenu de base comme une espèce de bonne conscience. Derrière le paravent de dire « il faut lutter contre la pauvreté », on va mettre le revenu de base, et on dit « allez, on va mettre ça à la hauteur de 500 euros sous forme d'un impôt négatif ». Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la droite veut avant tout en finir avec la protection sociale. Et c'est ça le drame. Allez, on revoit les APL. Et sous la bannière de quoi? La simplification. Et même jusqu'à l'Europe, on parle de quoi? De simplification. Alors la norme au niveau européen dit « better regulation », la meilleure régulation. Tout ce qui nous encombre, il faut le supprimer. Alors nous, les écolos, on n'est pas dans ce trip-là, bien au contraire. On est d'accord sur la définition du revenu de base, mais c'est surtout un outil d'épanouissement humain où chacun va avoir cette capacité de choisir sa vie. Parce que nous avons compris une chose, notre monde ne pourra plus être comme le monde d'hier parce que nous avons une urgence et cette finitude des ressources. Donc on ouvre une nouvelle ère, nous les écologistes, en disant que la valeur travail, ce sera d'abord au service d'une nouvelle économie. Et nous, on fait confiance à la créativité humaine qui peut soulever des montagnes. Les gens sont beaucoup aujourd'hui dans cette création interne de richesse. Ils ne sont pas des paresseux, comme voudrait nous faire croire M. Wauquiez. Au contraire, ce ne sont absolument pas des paresseux parce que les assister, moi je pense que c'est M. Wauquiez, depuis 20 ans en politique, il n'a rien proposé pour changer par rapport au chômage. Et je termine juste en vous disant que pour nous, le revenu de base, c'est un outil, certes, pour lutter contre le chômage, mais ce n'est pas seulement suffisant parce qu'il va falloir revenir aussi sur la réduction du temps de travail, la véritable répartition des richesses et notamment une vraie nouvelle mise à plat d'une réforme fiscale. Mais avant tout, et pour résumer, au fait, on a compris une chose. Le revenu de base, ce n'est pas un coût. Pour nous, les écologistes, le revenu de base, c'est un investissement pour notre bonheur collectif. Merci. Et du coup, le revenu de base a de nombreux détracteurs. Et pour répondre à tous les détracteurs qui trouvent le concept intéressant, mais totalement utopique, comment leur répondons-nous? Comment finançons-nous ce revenu de base? Jean, toi, tu as beaucoup travaillé sur la question en tant que sénateur. Tu me demandes de financer le revenu de base, non? Tout de suite. Bien, merci Benjamin de m'inviter à cette plénière sur le revenu de base. Et je le dis à tout le monde, le revenu de base a été voté par un congrès de LV. Parce que souvent, je vais dans les ateliers, qu'on me dit c'est une idée qu'il faut défendre. J'ai dit non. En novembre 2013, nous avons pris position pour un revenu d'existence universelle. Ça a été voté à 60%. Et je m'adresse au grand organisateur du programme, Alain Colombel, pour lui dire, mets-le dans le programme, que ça soit bien mis, hein, et pas à titre expérimental, mais à titre d'un concept.
Et si j'insiste sur ce point-là, c'est qu'on a mis 20 ans pour atteindre cela. Alors je sais, c'est un congrès que les moins de 20 ans dans ce parti ne peuvent pas connaître, mais c'était à l'AG extraordinaire de la Villette, en juin 93, que les partisans du revenu de base dans notre organisation avaient présenté un amendement pour l'instauration d'un revenu de base. Et nous avions eu 35%. Donc il a fallu 20 ans pour que ça soit clairement établi. Alors Benjamin, tu parles de notre travail au Sénat, et je salue mon collègue sénateur communiste. Nous avons au Sénat, le 19 mai 2016, présenté une résolution. Alors, je ne vais pas tout vous la lire, je ne vais pas vous présenter tout le travail que nous faisons au Sénat. Pour cela, il y a un support que vous avez pris soit à l'entrée ou que vous prendrez à la sortie qui explique le travail qu'on a pu faire au Sénat sur ce point-là. On a fait un projet de résolution demandant au gouvernement d'instaurer ou de les modalités pour d'instaurer le revenu de base et de réfléchir aux modalités d'application. Nous avons débattu pendant 2 ou 3 heures et se sont prononcés contre les Républicains, sauf un. Alors faites un coup modéré, parce qu'il y en a un sur 150. Et c'est pour ça que quand même, il faut faire attention. Aujourd'hui, les Républicains et la droite est opposée au revenu de base. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques Républicains minoritaires qui sont d'accord avec l'idée que c'est majoritaire pour la droite. Les centristes se sont également opposés, majoritairement. Le Parti communiste, mais pour d'autres raisons, vous comprendrez bien, surtout qu'il est là, c'est parce qu'il pense que ça remet en cause les cotisations sociales, enfin tout un système, donc il aura, je ne sais pas s'il aura le temps de l'expliquer, mais ils ont des bonnes explications. Et se sont abstenus les socialistes et se sont abstenus les radicaux de gauche. Ont voté pour l'ensemble du groupe écologiste, fort et dominant, et un républicain. Mais nous avons obtenu la création d'une mission d'information, ce qui est quelque chose d'important dans la vie parlementaire, qui doit examiner les conditions de financement et des possibilités de réalisation d'un revenu de base. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le PS, suite au rapport Sirugue, a évolué sur la question, il souhaite qu'effectivement aller vers un revenu social garanti. L'idée d'un revenu de base commence à l'intéresser, je suis sûr qu'ils vont canner, mais ça les a intéressés, et il y aura certainement quelques préconisations lors du rapport qui sera remis suite à cette mission d'information, et le rapporteur et le sénateur Percheron du Pas-de-Calais. Donc nous attendons fin septembre, il y aura certainement des choses intéressantes dans ce rapport, et je sais qu'un copain vert en a parlé, il y a aussi le Conseil économique, social et écolo qui a réfléchi sur un revenu de base. On sent que ça bouge, on sent que c'est une question qui est prise en considération. Alors, j'ai eu la chance de participer en 2013 également à l'AG de constitution du mouvement français des revenus de base, qui a adopté cette définition de revenu de base. Alors vous verrez, dans ma plaquette, j'ai pris revenu de base en référence à la définition du mouvement français de revenu de base, pas en référence à la motion qu'on avait votée sur un revenu universel d'existence, mais c'est la même chose. Alors je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas le mot revenu de base et qui préfèrent le revenu d'existence, mais moi je me suis aligné sur leur définition. Et c'est un bijou. François l'a lu. Il est trop modeste. C'est un bijou, cette définition. Le revenu de base est d'un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus. Donc ça change beaucoup par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Distribué par une communauté politique. Donc c'est une communauté. Eh bien, inscrit la notion de communauté qui le distribue à tous ses membres. De la naissance à la mort, sur une base individuelle, et vous verrez l'importance que ça a par rapport à la réforme fiscale que nous, écologistes, on va vous proposer, bien sûr avec ton accord, grand donateur du programme, mais on va vous proposer, sans contrôle des ressources, ni exigence des contreparties, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement.
Le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Ça veut dire qu'une société, suivant la difficulté qu'elle peut avoir par rapport au chômage, qu'elle peut avoir par rapport à des rentrées d'argent, eh bien, elle peut ajuster. Donc que nous, on ait un projet d'un montant, et bien sûr, mais lorsque ce sera mis en place, ce seront quand même les parlements ou, par référendum, la société tout entière qui fixera les modalités de financement. Donc nous, on peut projeter quel sera effectivement le bon montant. Mais c'est quand même la société qui le définira. Et dans ce sens-là, je trouve que leur définition est très ouverte, très flexible et très intéressante. Donc je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Alors, le coût. Le coût, c'est considérable. Alors je sais qu'on règle ça, nous écologistes, assez rapidement les questions d'argent. Mais quand même. Donc, j'ai pris la population française, bon, puisque tout le monde y a droit de la naissance à la mort. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisque ne pourront bénéficier les hors de France que sur la base du RSA ou de la prime d'activité actuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une résistance stable dans le pays d'origine. Mais admettons. Et d'un autre côté, les résidents étrangers en France y auraient droit sur la base, on va dire, des conditions du RSA actuel, qui est 5 ans. Alors, c'est pas tout de suite qu'ils arrivent en situation légale. Bon, enfin, j'ai pris la population française, et lorsqu'on sera au pouvoir, disons très bientôt, puisque nos alliances et nos bons résultats présidentiels et législatifs nous permettent des jours heureux, donc nous serons en mesure de réfléchir plus attentivement. J'ai pris la population française, mais sachez que faut tenir compte des Français hors de France et faut tenir compte des résidents étrangers dans le pays. Mais si on prend les 66 627 602 personnes, les 66 millions, ça devenait électoralement plus facile. Si on prenait 66 627 602 personnes, on multiplie ça, donc vous allez me dire, c'est insuffisant. Je suis d'accord. On s'oriente plutôt, nous, les écologistes, pour un revenu de base qui serait 700 ou 800 euros par mois, pour qu'il y ait effectivement une augmentation par rapport au RSA. Mais pour montrer déjà l'ampleur du financement, j'ai pris la base du RSA actuel. Ce que vous avez fait aussi, dans certains documents de travail, le mouvement français de revenu de base. 524 euros par mois. Donc 66 millions et quelques, multipliés par 524 euros par mois, multipliés par 12 mois, c'est 419 milliards par an. C'est un coût considérable. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à voir ce que ça représente, 419 milliards, sachez que les prélèvements pour le fonctionnement de l'État est de 291 milliards. C'est-à-dire que le financement du revenu de base serait supérieur au prélèvement de l'État. Le prélèvement pour les collectivités territoriales, régions, départements, communes, etc., 127 milliards. Il n'y a que la Sécu, les revenus de la Sécu, qui dépassent le montant de revenu de base sur la base de 524 euros par mois, puisque c'est 521 milliards. Donc, le revenu de base, si on prend par rapport au prélèvement d'État, c'est 44% de plus. Alors, vous vous rendez compte que quand on va présenter ça à la population française, elle va avoir un petit choc au départ. On va lui dire, on vous propose une mesure qui va coûter plus que le prélèvement de l'État. Donc, il faut quand même y songer. Alors, je te remercie de cet exercice, Benjamin, que tu m'as demandé. Donc, je me suis efforcé d'y travailler un petit peu. D'abord, le financement par les transferts. Le transfert des minima sociaux, c'est-à-dire que les gens qui touchent actuellement le RSA, s'il y a un revenu de base, ne vont plus le toucher. Donc, sur les 31 milliards pour 1,8 million d'allocataires, on peut récupérer 25,5 milliards pour le revenu de base. 25 milliards, il reste à faire pour arriver à 419.
sur les retraites du régime général, sur les 108,12 milliards de minimum vieillesse, on peut récupérer par équivalence les 61 milliards. Donc on est à... Donc j'ai dû me tromper... À 10 milliards près, on a 76 milliards. Je sens que je me suis trompé, mais je vais rester sur le chiffre que j'ai repris. Ouais, 85. La réforme des allocations familiales. Donc, il y a eu un débat au Sénat sur, à un moment, les socialistes ont voulu, ils ont même réussi puisque ça a été voté, ils ont voulu plafonner les allocations familiales en fonction du revenu. Nous nous y sommes opposés. Non pas qu'on trouve que ce n'est pas aberrant comme ça qu'on y regarde. D'ailleurs, les socialistes nous disaient, tu veux donner de l'argent à ceux qu'on a déjà beaucoup? Ah non. Mais pour nous, l'allocation familiale, c'est un principe universel. On ne va pas le faire en fonction des revenus des uns et des autres. C'est un revenu pour l'enfant. D'ailleurs, on est, vous notez, responsable programme si je me trompe, mais autrement, on a défendu le principe d'une allocation familiale pour chaque enfant, y compris le premier. Et donc, on a défendu ce principe universel. Et on est pour que ça soit la même somme pour tous. Par contre, nous remettons en cause le quotient familial. Et le bénéfice pour les familles aisées du quotient familial sont beaucoup plus importantes, puisque ça pète de 1 à 4, c'est-à-dire les revenus obtenus grâce au quotient familial, sont 4 fois plus importants pour une famille aisée que pour une famille pauvre. Et là, la différence est flagrante. Donc nous, les écologistes, nous sommes pour un droit, une allocation pour chaque enfant, y compris le premier, et nous souhaitons supprimer le quotient conjugal et le quotient familial. Vous me dites que le quotient conjugal un peu en réflexion. Ça viendra, on va se mettre d'accord. Ce qui nous permet, là, de dégager 48 milliards. Un certain nombre de transferts sont effectués sur l'assurance chômage, la prime d'activité, les différentes aides au logement. Là, il y a un débat, mais nous en gardons quelques-unes, nous en gardons un montant, mais il faut réfléchir à certaines. La réforme des droits de succession et le plafond, l'abaissement du plafond des retraites complémentaires. Vous comprendrez bien que je n'aurai pas le temps de détailler chaque mesure ce soir, mais je suis prêt à faire, pendant la campagne, monsieur le responsable programme, des réunions de travail sur la fiscalité des entreprises et des ménages. 33 milliards. On profite de la réforme de la fiscalité pour supprimer des mesures qui coûtent cher à l'État sans que la preuve soit établie de leur efficacité. Suppression du CICE. Est-ce qu'on a vu ? C'était une mesure qui, sans conditionnalité, peut être considérée comme un cadeau à certaines entreprises. Suppression des exonérations de charges sur les bas salaires, qui n'ont pas démontré, et d'ailleurs il y a un rapport au Sénat sur ce point-là, fait par un camarade, une collègue communiste, et qui a montré que rien ne montre prouvait que l'exonération des charges sur bas salaires était créateur d'emplois. 40,5 milliards. Donc si je reprends tout ce que j'ai transféré ou supprimé, j'en suis à 197,5 milliards. C'est pas mal. Je me suis trompé de 10 milliards, donc on rajoute, c'est bon. Je vais reprendre un peu mes chiffres au calme, mais donc. Mais il reste à trouver 221 milliards. La fraude fiscale, j'ai la réserve pour autre chose. Alors j'ai choisi simplement de faire la réforme sur l'impôt sur le revenu. Je suis d'accord avec vous, il y a les niches fiscales. On pourrait même envisager une augmentation de la TVA, la taxe carbone, les taxes sur l'énergie, les taxes sur le flux financier et la taxe pollen, par exemple, que vous trouverez une définition dans la petite brochure qui est à l'entrée. D'autres investissements, mais comme... À chaque fois que je vais à un atelier, puis on dit il faut quand même un investissement là, il faut quand même lancer ce plan là, il faut quand même qu'on ait une marge d'action pour d'autres projets. Donc je me suis concentré sur la réforme sur l'impôt sur le revenu de la CSG. Et aussi, si l'on veut augmenter
et que ça ne soit pas 524 euros le montant du revenu de base, mais 700 ou 800, pour aussi se garder des possibilités d'action. Alors pourquoi je propose la réforme sur l'impôt sur le revenu? Parce que si évidemment un ménage qui gagnait 4000 euros par mois a reçu le revenu de base de 524, on est quand même en droit de lui réclamer sous une autre forme. Donc il est évident que l'instauration d'un revenu de base nécessite une réforme fiscale d'importance. Vous êtes d'accord avec cela? Et d'ailleurs, on a presque les mêmes bases d'accord. Donc nous sommes effectivement en accord avec le mouvement français du revenu de base et avec R, l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence, qui est une association cousine, je crois, hein, donc... Non, vous entendez plus? Donc, éloigné. Donc, j'essaierai de mieux m'informer la fois prochaine sur l'état des relations entre les associations sur le revenu de base et l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Mais on est d'accord avec vous sur l'ampleur de la réforme sur l'impôt sur le revenu. On est d'accord avec vous sur l'individualisation de l'impôt. L'impôt est aujourd'hui basé sur la famille, sur le foyer et sur les enfants. Les écologistes, et là c'est dans le programme, je crois, cher ordonnateur du programme, c'est effectivement, on a déjà pris une position pour l'individualisation de l'impôt. C'est-à-dire, c'est individualisé. La différence entre vos travaux, qui ressemblent aux nôtres, et l'air, c'est que l'air ne veut pas donner sur un compte le revenu de base chaque mois, elle le stocke, et après, elle le redonne à la personne sous forme de crédit d'impôt. Nous, on trouve avec vous que c'est quand même mieux de recevoir chaque mois un chèque. Et quitte à le pouvoir, et il y a plus la notion d'une rentrée financière. Alors que si c'est un crédit d'impôt, restera toujours l'idée que bah, certains le reçoivent directement, les assistés dont tu parlais, et ceux qui... On le droit aussi, mais sous forme de crédit d'impôt, il ne touche pas. Donc je pense, moi je suis plus en accord avec vous, sur le fait que sur un compte, qu'on aurait tous un compte à la Banque de France, et donc on recevrait chaque mois le revenu de base. Et après, bon, les impôts seraient un peu plus chers. Mais on les mensualise, voilà l'avantage. Donc il s'agit d'un transfert pour récupérer l'impôt. Alors s'il y a un effet redistributif, vous verrez, j'ai commencé à travailler des courbes, combien paierait un couple avec un enfant, un couple avec deux enfants. On va vérifier les calculs parce que je me trompe facilement de 10 milliards. Mais malgré tout, l'effet redistributif n'est pas le premier objectif du revenu de base. Le revenu de base, c'est un autre mode de redistribution et surtout qu'on laisse personne sur le carreau. On pourrait voir en augmentant effectivement le montant du revenu de base, mais en changeant la fiscalité, ça peut avoir un effet plus fortement redistributif. Mais là, ce n'est pas obligatoirement l'objectif premier, même si on peut l'avoir comme objectif secondaire. Jean, je suis désolé, enfin, avancer, sinon on va rester jusqu'à minuit ici, même si tout le monde est... Voilà, je finis. Donc nous, on souhaite supprimer le quotient familial et conjugal, fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG, établir de nouveaux taux, paiement de l'impôt dès le premier revenu, puisqu'on a un revenu de base qui est à la base, mensualiser l'impôt et aller vers la taxation à la source. Et ma conclusion sera donc, l'instauration du revenu de base, c'est une révolution. Mais c'est une révolution douce, comme nous les aimons. Et donc, dans le programme, dans notre action, il faut la mettre en place le plus rapidement possible, ça doit être un élément important. On a mis 20 ans pour le faire accepter par les Verts, ils ont mis 2 ans pour comprendre qu'on l'avait accepté, qu'on l'avait voté, donc maintenant, il est temps de le mettre en place, et donc c'est l'objet de mon appel, et je suis prêt à travailler le financement encore plus concrètement. Alors oui, nous ne pouvons pas transposer exactement un système d'un pays à un autre, mais il y a peut-être de quoi s'inspirer de d'autres systèmes. François ?
vais répondre à cette question en étant très attentif de ne pas dépasser globalement le temps imparti, mais j'ai quand même besoin de répondre sur certains points, sinon je me fais assassiner à ma prochaine réunion avec le mouvement français pour le revenu de base. Donc, un revenu de base, dans les discussions, on travaille avant tout en consensus, donc c'est très long, et n'est pas dans la définition actuellement la notion de suffisant. Ça ne passe pas, en fait ils sont 7 sur 800, qu'on est vraiment bloqué sur ça, mais on est sur le consensus, on est sur ça. Sur ceux qui ont fait effectivement des super travaux, et on est très reconnaissant avec eux, pour eux, parce qu'ils font un travail formidable, mais on va dire qu'ils sont un peu libéraux, et ils sont 3 sur 800, d'accord. Mais ils ont produit des super écrits, où effectivement on va pouvoir voir des super trucs, et des super outils, et c'est vraiment très bien, on est reconnaissant. Mais concrètement, si nous, écolos, nous défendons un revenu de base, hors de question qu'on défende un revenu de base en dessous du seuil de pauvreté. D'ailleurs, ça veut dire qu'avec les calculs qu'on a vus tout de suite, c'est plus gros que le budget de la Sécu. Là, il n'y a pas de souci. C'est clairement plus gros que le budget de la Sécu. Mais quand on a mis la Sécu en place, on nous a bien expliqué que c'était impossible. Ça s'est fait progressivement et ça s'est fait. Pourquoi ? Parce que ce qu'on donne à la Sécu n'est pas perdu pour l'économie. Ce qu'on donne à la Sécu est directement sur l'économie. On finance simplement un début. On a besoin de financement pour ceux qui font la comptabilité en entreprise. On parle du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement. Et on est sur ça. Et sur ce genre de mesure, quand on est sur la Sécu, effectivement, c'est lourd au début. Mais c'est de l'argent qui reste ici, qui va faire travailler tout le monde. Donc ça ne coûte juste rien. Ça aide. Si on pense à la Sécu, tout simplement, on sait que le coût des personnes malades et des conséquences sur l'économie est supérieur au coût de la Sécu, tout simplement. On peut l'espérer, sinon effectivement on arrête. C'est ce genre de choses. Et pour le revenu de base, c'est vraiment la même chose. Pour le revenu de base, l'idée c'est de décider démocratiquement quel est son niveau. Le mouvement français ne peut pas se positionner dessus, puisqu'on est au consensus. Mais derrière, que ce soit 20%, 30%, 40%, 50% du PIB, je ne parle même pas du budget de l'État, et alors, on n'en a rien à faire. Puisque de toute façon, c'est de l'argent qui reste ici. C'est de l'argent qui est dépensé ici, ce n'est pas de l'argent qui est perdu. Donc faut jamais se bloquer sur un problème de finance. C'était juste ça pour ne pas me faire assassiner en rentrant à ma prochaine réunion du MFRB. Donc du coup, par contre, pardon, je ne voudrais surtout pas tu prennes une chose sur toi parce que son travail est formidable. Quoi. Le mouvement français pour le revenu de base lui doit beaucoup, concrètement. C'est clair. C'est pas, donc, exemple. L'exemple dont je parle souvent en réunion, c'est celui de la Namibie. Il n'est pas énorme, c'est juste c'est un petit village de 950 personnes. En fait, ils ont dû faire ça pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, désolé. Et le résultat, ils ont fait ça, ils ont fait quoi? Ils ont donné à tout le monde 100 $ namibiens, c'est-à-dire 10 euros. Mais on est sur un pays pauvre. Et 10 euros, ça permet justement de démarrer quelque chose et de voir venir. Ils l'ont donné à tout le monde, sauf aux retraités, aux plus de 60 ans qui avaient déjà un revenu neutre. Le résultat de cette expérimentation, ça a été 30% en plus sur l'activité économique. Ça a été 50% en moins en chômage et ça a été 92% de scolarisation en plus. C'est-à-dire qu'on se dit, mais waouh, c'est formidable directement. C'est le contraire de ceux qui nous disent que ça fait des feignants. Grâce à cet afflux, les gens ont pu plus travailler. Voilà, directement. Et je finis sur un truc qui n'a pas été posé, du coup, mais parce qu'on est quand même écolo ici, et donc c'est important de voir où on va. Et si on parle de 30% d'activité en plus, de moins 50% de chômage en plus, où est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on n'est pas sur la croissance? Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui ne nous plaît pas? En fait, quand on parle de décroissance, on parle de décroissance des pays riches pour la croissance des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on parle de décroissance quand on a trop, et de croissance quand on n'a pas assez, pour pouvoir équilibrer, puisqu'on sait tous ici, c'est bizarre que l'autre partie de l'échiquier politique ne le sait pas, que nous vivons sur un monde fini. Donc ce qu'on prend en trop, les autres ne l'ont pas. Très bien. Quand on est sur un revenu bas sur un pays pauvre qui n'a pas assez, il a des besoins réels à financer directement. Donc forcément, c'est de la croissance. Mais pour nous, qui pour nous avons déjà trop, mais simplement, nous ne partageons pas assez. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas se mettre effectivement à avoir une grosse croissance, puisque on va juste déporter un peu de l'argent qui est seulement financiarisé vers des vrais besoins. Donc c'est juste, on va réorienter notre économie vers un endroit où on en a vraiment besoin.
Et la décroissance, c'est pas la fin de l'économie. C'est vraiment l'idée de réorienter l'économie vers ce qui est utile, vers ce qui nous sert tous les jours. Donc concrètement, un revenu de base suffisant, c'est-à-dire largement et le plus haut possible, supérieur au seuil de pauvreté, un revenu suffisant est décroissant dans les pays riches et croissant dans les pays pauvres. Conclure cette table, Karima, toi qui te bats au niveau européen, comment convaincre les gens que changer de paradigme est possible, qu'un revenu de base pour toutes et tous est possible? Alors, il va falloir changer de logiciel, il faut co-construire. Co-construire avec les citoyens. Au niveau européen, il y a 3 ans, il y a une initiative citoyenne qui a été lancée, qui avait déjà commencé à réellement dire au niveau des politiques qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Malheureusement, cette initiative citoyenne a... Pardon. Voilà. Cette initiative citoyenne a été signée que à 300 000 personnes. Pour pouvoir être dans le débat européen, il faut 1 million de signataires et la représentation de 7 pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le paradigme? Eh bien, moi, je crois que les citoyens, les Français comme les Européens, ils ne croient pas Saint-Thomas. Et non. Ils pensent réellement qu'on peut avancer si on leur fait la preuve que ça fonctionne. Ici, dans cette salle, combien d'entre vous sont pour le revenu de base? Levez la main. Allez-y. Oui, même si c'est voté par le parti. Allez-y dans la rue, j'ai fait le test à Lorient. Et je dis à des gens que je ne connaissais pas, je leur ai dit, est-ce que vous êtes pour ou contre le revenu de base? Les gens m'ont regardé en disant, de quoi vous me parlez? Et j'ai dit, mais si, le revenu d'existence, parce qu'il y a plusieurs noms. Et ils me disent, mais de quoi vous me parlez? Donc la première épreuve pour changer de paradigme, c'est qu'on arrête de parler du burkini et qu'on parle enfin du revenu de base. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire de la pédagogie, de dire concrètement que cette société qui est en mouvement, cette société qui veut réellement changer de paradigme, elle existe et elle prend la solution du revenu de base. Et donc il faut l'entraîner pour essayer de basculer notamment notre opinion publique. Parce que le plus important, je crois, vraiment, c'est qu'une idée devient majoritaire quand elle est incrustée dans les consciences des gens. Et donc, il va falloir réellement pas seulement monter des campagnes, pas seulement dire, et quand je vois la tournure que prend les présidentielles, qu'on est une femme ou un homme providentiel avec un programme, je te regarde toi, monsieur Alain Colombet, ça suffit plus d'avoir un programme tout ficelé en disant « et on a mis le revenu de base ». Non, il va falloir faire la démonstration que cela fonctionne et qu'il y a une méthode et une démarche. Et pour ça, moi, je suis fière d'être chez les écolos, vous savez pourquoi? Parce qu'on est les premiers en France, avec Martine Alcorta, qui est en Aquitaine et qui dit une chose. Nous n'allons pas imposer comme ça, du haut vers le bas, ce revenu de base. Nous allons l'expérimenter pour voir qu'est-ce qui fonctionne, comment on arrive justement à sortir les gens de la pauvreté et aussi imaginer le monde de demain. Et pour ça, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que oui, un autre monde est possible, mais le monde de demain est déjà là, donc il faut faire avec lui. Merci. Karima, Jean et François, merci beaucoup d'avoir participé à cette table sur le revenu de base. Courage, Karima. Merci beaucoup. Notre loi travail s'appuierait sur une réduction du temps de travail également. Pour l'émancipation de toutes et de tous. Pour nous en parler, nous avons invité Barbara Romagnan, députée socialiste du Doubs, et Emma Sas, députée de l'Essonne.
commençons pas, Benjamin. Ce n'est pas que celui des dinosaures, mais aussi celui du temps où la durée légale du temps de travail était de 39 heures par semaine. Mais dans le monde merveilleux du gouvernement est un homme qui s'appelle Emmanuel et qui a un seul mot à la bouche, c'est celui de la compétitivité. Et oui, pour lui, les 35 heures seraient devenues un handicap économique absolu de la France. Si, si. Regardez. La gauche, je veux dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elles, qu'il suffisait de décréter et de légiférer pour que les choses changent, qu'il n'était pas nécessaire de connaître le monde de l'entreprise pour prétendre le régenter, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Oui, mais Ariane, tu l'entends, il n'y a que des gens de gauche ici. Et donc qui pensent que la France irait mieux en travaillant. Pour nous parler du partage ou de la réduction du temps de travail, nous avons demandé à Barbara et Eva de nous parler de leur vision du travail. Alors à Eva et à Barbara, nous leur avons posé une question générale. Quel est l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail? Car comme tu le disais Oriane, nous avons un exemple avec les lois Aubry de 2000 d'une réduction de temps de travail de 39 heures à 35 heures par semaine. Et depuis 15 ans, des bilans ont pu être tirés, avec notamment un rapport à l'Assemblée nationale précisément sur l'impact de la réduction du temps de travail, dont la rapporteuse n'est autre que Barbara, ici présente. Alors la question est deux pages plus loin. Mais je vais faire un peu mon mec de droite, je suis habillé en bleu en plus. Très légèrement provocateur, mais comment peut-on être payé la même chose pour travailler moins, Barbara? Est-ce qu'une mesure de réduction du temps de travail ne devrait-elle pas être accompagnée de mesures de baisse du coût du travail? Je vais évidemment te répondre et puis je vais réagir un petit peu sur Emmanuel Macron et ce qu'il a dit. Bon, moi, si je participe à la primaire des socialistes, je ne voterai évidemment pas pour lui. Ceci étant dit, personne n'avait voté pour Emmanuel Macron. Donc je trouve que c'est toujours assez facile de lui tomber dessus. C'est pour François Hollande qu'on avait voté. Donc il ne faudrait pas oublier non plus, en tapant sans arrêt sur Macron, qu'il y a quand même des sujets. Pour autant, ce n'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. Et notamment quand il raconte qu'on n'a jamais réussi en travaillant moins, au-delà de tous les présupposés idéologiques qu'il y a derrière, il sous-entend évidemment qu'au moment de la mise en place des 35 heures, on a travaillé moins qu'avant. Or, c'est totalement faux. On n'a jamais autant travaillé, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'heures travaillées en France que pendant la mise en œuvre des 35 heures, parce qu'il confond, comme beaucoup d'autres, le temps de travail légal individuel et le nombre d'heures travaillées dans un pays. Or, comme à ce moment-là, on a créé beaucoup d'emplois et que le chômage a baissé, pas suffisamment mais beaucoup, il y avait beaucoup d'heures travaillées. Par ailleurs, c'est aussi le moment où on a créé le plus d'emplois. On a créé 2 millions d'emplois en 5 ans, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui avait été créé pendant le siècle précédent. Alors, c'est pas parce qu'on crée beaucoup d'emplois que ça veut dire que ça baisse forcément le chômage. Vous pouvez avoir soit une population active qui augmente plus, et puis vous pouvez aussi avoir une destruction d'emplois qui est plus forte. Donc en fait, la création d'emplois qui est liée directement, et qu'on estime directement liée aux 35 heures, c'est à peu près 400 000. Alors les chiffres, tous les chiffres que je vais vous donner, c'est pas les miens, hein, c'est pas ceux de la commission d'enquête. Je ne fais que répéter ce qu'avait fait le travail qu'avait fait la DARES, l'OFCE, le BIT. Donc ça, c'est que des chiffres qui sont pas socialistes, qui sont même pas français, hein, qui sont de plein d'organismes parfois français, mais tout à fait indépendants, y compris dont on peut vérifier les données. Cette commission d'enquête, je ne sais pas si vous savez tous, une commission d'enquête, en fait, c'est une politique d'évaluation, c'est une évaluation d'une politique publique. Je précise qu'elle n'a pas été voulue par la gauche. C'est l'UDI qui l'a demandé, ce qui explique peut-être pourquoi on s'en est aussi peu servi après, malgré son immense intérêt. Et je voulais vous dire aussi que les éléments chiffrés que je vous donne, c'est le résultat de bilan macroéconomique, mais évidemment, ça ne dit pas tout de la façon dont ça s'est passé dans telle ou telle entreprise. Il y a évidemment des endroits dans lesquels ça s'est plus ou moins bien passé. Mais bon, voilà, ce ne sont que des grands chiffres dont je vais vous parler.
Donc je disais, on a créé beaucoup d'emplois. Le chômage a aussi beaucoup baissé, comme jamais dans les 40 dernières années. Hein, les chiffres du BIT, c'est qu'on passe de 12% de chômeurs à 8%. Donc évidemment, il en reste toujours trop. Enfin, le chômage n'a jamais baissé autant dans toutes les catégories. Et je vous le disais tout à l'heure, malgré l'augmentation de la population active qui passe de 25,5 millions à 26,6 millions. Il y a eu aussi d'autres effets positifs. On avait des comptes sociaux qui étaient équilibrés, une balance commerciale qui était positive. Donc quand Macron dit « on n'a jamais réussi mieux en travaillant moins », d'abord on ne travaillait pas moins, simplement le travail était réparti autrement, et ensuite, aujourd'hui, on serait bien content d'avoir les mêmes résultats. Et c'était aussi un moment où on a eu un début de rééquilibrage du partage des tâches entre les hommes et les femmes, et aussi dans le rapport au travail, parce que la France, comme tous les autres pays, un taux de travail à temps partiel pour les femmes qui est évidemment supérieur à 80% comme dans les autres pays d'Europe. Par contre, en France, le temps de travail moyen d'un travailleur à temps partiel, donc d'une travailleuse, c'est 24 heures, alors que dans le reste de la zone euro, c'est à peu près 19 heures. Et pendant cette période-là, en France, le temps partiel a stagné. Il n'a pas diminué, mais alors que dans les autres pays, il a augmenté. Donc déjà, du côté du travail, il y avait une forme de rééquilibrage. Ensuite, du côté du partage des tâches, en tout cas des tâches... j'aime bien l'expression de Dominique Méda, des charges plaisir familiales. Ce sont les parents, je veux dire les parents des enfants de moins de 12 ans qui se sont déclarés les plus satisfaits parce qu'ils ont pu consacrer davantage de temps à leurs enfants et à leur famille. Alors, c'est toujours les femmes qui s'occupent des tâches ménagères, etc. Même si elles y passent un peu moins de temps, c'est quand même d'abord grâce au micro-ondes plus que grâce à leurs compagnons. Mais en tout cas, la loi sur les 35 heures... La loi sur les 35 heures est une loi qui était bonne pour la famille. Alors, vous m'interrogez sur la question du coût. Il y a évidemment aussi des limites à cette loi. Je ne sais pas si on aura le temps dans le débat. Il y a plusieurs points de critique. La première critique, c'est qu'elle n'a pas été appliquée à toutes les entreprises, hein, celles de moins de 20 salariés. On pourrait parler du forfait jour qui a été perçu par les cadres à la fois comme une forme de reconnaissance et de liberté, mais aussi un forfait jour, justement, par définition, ce n'est pas évalué s'il y a 7 heures ou 15 heures dedans. Et d'ailleurs, la France a été condamnée à de nombreuses reprises par l'Europe. Des critiques qu'on peut faire aussi, c'est le fait que la question des conditions de travail, de la santé au travail et de l'égalité hommes-femmes, même si ça a été parfois un des résultats, ne faisait pas du tout partie des discussions ou de la négociation, sauf si les partenaires sociaux l'amenaient, et c'était rarement le cas. Alors, sur la question du coût, elle est liée aux objections régulières qui sont faites, des objections que je dirais de droite et mal informées, même si elles ne sont pas portées que par des gens issus des partis de droite. Il y a des gens qui disent, ils sont obligés de reconnaître le fait que le taux de chômage a quand même baissé, mais ils disent, oui, mais c'est grâce à la croissance. Et c'est vrai que pendant la période, en gros la période Jospin, donc le taux de croissance en France, il est de 2,8%. Et pendant les 4 ans précédents et les 4 ou 5 qui suivent, ils sont de 1,8. Donc on voit une différence de 1 point. Mais encore faut-il savoir d'où vient cette différence. Est-ce que ça vient de la croissance mondiale? La croissance mondiale, elle est plus élevée avant les années Jospin et après, puisqu'elle est d'à peu près 4,5 et, que je dise pas n'importe quoi, 3,7 avant, 4,5 après, et 3,4 au moment des années Jospin. Donc en tout cas, elle n'est pas plus élevée. Est-ce que ça vient de la croissance européenne? La croissance européenne, avant les années Jospin, elle est 2,2, après elle est de 2,2, au milieu elle est de 2,5. Donc c'est vrai qu'il y a 0,3 différence de croissance, mais c'est difficile de penser que ça explique la différence d'un point de la croissance française. Donc moi je pense, en m'inspirant en ça de travaux de nombreux économistes, notamment faits à l'époque, que c'est plutôt la croissance française qui a participé de la croissance européenne, en tout cas qui a participé à la tirer, et que cette croissance française, elle est largement, même si pas exclusivement, liée aux 35 heures, à la dynamique qu'il y avait autour, il y avait aussi les emplois jeunes, et puis je pense une forme d'espoir aussi dans la population, des gens aussi qui consommaient, même si la consommation pose aussi d'autres questions, mais en tout cas, je pense que on ne peut pas décemment dire que c'est grâce à la croissance que c'est, là, le taux de chômage a baissé. Vous avez les autres qui disent, alors ils disent que c'était grâce à la baisse des charges. Donc, je reprends charges, parce que c'est comme ça que ceux qui les critiquent le disent. Et donc, il s'agit évidemment donc de cotisations sociales. Alors, je pense qu'on peut dire deux choses. D'abord, je pense que ça n'a pas de sens d'isoler la question de la baisse des cotisations du reste, parce que les lois Aubry, c'était un tout. Il y avait, en échange de la réduction du temps de travail, une baisse de cotisation, l'annualisation et les négociations avec les partenaires sociaux. Donc il n'y a pas à isoler les éléments. Et puis, s'il y a besoin d'autres arguments pour s'en convaincre, la baisse des cotisations ou des charges a été pratiquée allègrement avant et pendant cette législature.
41 milliards de pactes de responsabilité, vous avez vu avec quel succès sur l'emploi. Hein. Alors, on peut dire que ce serait de mauvaise foi parce que les effets vont venir plus tard, ou peut-être que ça a empêché, à certains endroits, c'est vrai évidemment, certaines destructions d'emplois. Enfin, vous voyez bien, 41 milliards pour un chômage qui continue à augmenter, ça fait quand même assez cher. Ensuite, l'argument que je trouvais, je terminerai sur celui-là, la critique, je trouve la plus forte et à laquelle je pense qu'il faut vraiment répondre, c'est celle de la compétitivité. Donc, les 35 heures auraient impacté la compétitivité des entreprises françaises et donc de la France. Alors d'abord, on peut reconnaître qu'à partir de 2003-2004, on voit que la part des exportations françaises dans les exportations européennes baisse. Donc ça, c'est vrai. Alors, on pourrait commencer par dire, c'est ce que Jospin disait quand je l'ai auditionné en commission d'enquête, il répondait à ceux qui disaient ça, il disait « Oui, enfin, c'est quand même bizarre que ça baisse à partir du moment où on commence à détricoter les 35 heures. » Parce que 2003-2004, enfin, dès 2002, c'est le retour de la droite au pouvoir, l'augmentation, l'explosion du contingent des heures supplémentaires qui était à 120, qui passe à 180-190, puis 230, ce qui annule quasiment les effets. Plus les baisses de cotisations sur les heures supplémentaires. Donc, on peut commencer par dire ça, on peut trouver que c'est un peu juste, parce qu'on pourrait dire que c'est un effet différé. Mais on peut aussi s'appuyer sur un rapport sur la compétitivité de la France, qui est un rapport qui a été co-signé par toutes les organisations patronales et syndicales, sauf la CGT, je crois, en l'occurrence, elle aurait peut-être dû la signer là, qui dit que, donc le MEDEF a signé, hein, qui dit que le coût du travail ne compte pas, ou pour pratiquement rien, dans la compétitivité des entreprises françaises. C'est un rapport qui date de 2011, qu'ils ont absolument tous signé. Mais malgré tout, je trouve qu'il faut quand même qu'on avance des arguments, un peu plus affûtés sur cette question, parce que je trouve que ça fait partie des faiblesses. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux, parce qu'on ne peut pas faire comme si le coût du travail n'était pas une question dans la compétitivité. Mais on peut commencer par dire déjà que le coût du travail est relatif, il est évidemment relatif à la valeur créée. Hein, vous avez des gens qui peuvent être payés, bien payés, mais l'important c'est la valeur qu'ils créent avec ce qu'ils seront payés. En France, vous pouviez les payer, et il y en a un paquet, des gens extrêmement mal, sauf que à cause de la législation, pour l'instant, comme la loi travail n'est pas encore entrée en œuvre et qu'on n'est pas sans doute allé encore assez loin, on ne va pas pouvoir les payer assez peu pour qu'ils puissent être compétitifs par rapport à tous les salariés des pays beaucoup plus pauvres qui, en raison d'une protection sociale, d'un niveau de vie et d'une protection environnementale qui est nulle ou quasi nulle, on ne pourra jamais descendre à ce niveau-là. Donc la valeur travail, le coût du travail, il est relatif à la valeur créée. Il n'est aussi pas le seul à prendre en compte. Hein, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a aussi un coût énergétique qui est considérable. Plus de 80% du déficit de la balance commerciale française s'explique par les importations d'hydrocarbures ou de tout ça, des trucs qu'on ne devrait pas apporter. Et aussi, il y a des coûts considérables en matière d'organisation du travail, de santé au travail, etc., qu'on ne prend jamais en compte. Néanmoins, après avoir dit tout ça, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la question du coût du travail a largement été prise en compte dans les lois Aubry, à la fois par les baisses de cotisations, ensuite par le gel des salaires, en moyenne de 2 ans. C'est évidemment considérable. Et l'annualisation, de deux manières, à la fois parce qu'elle a permis, dans la grande industrie, c'est pas tout, mais ça tire quand même une grosse partie de la croissance française, on constate un taux d'utilisation des machines qui augmente de 10%. En 1996, on utilise en moyenne les machines pendant 50 heures par semaine, alors qu'en 2002, on est à 55 heures. Ça veut dire que ça fait presque une augmentation de capital, pardon, je suis caricaturale, mais une augmentation de capital de 10% sans investir le moindre euro. Et surtout, l'annualisation et le lissage qui permet aujourd'hui, quand vous travaillez, aujourd'hui on peut le faire sur 4 semaines, vous travaillez 30 heures la première semaine, 40 heures la deuxième, 30 heures la troisième, 40 heures la quatrième semaine, ça fait 140 heures divisé par 4, 35 heures, vous êtes payé 0 heure supplémentaire. Alors que si vraiment les 35 heures étaient le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, vous devriez avoir 10 heures majorées à 25%. Avec la loi travail, on passe à 9 semaines. C'est dire, enfin, dire maintenant, en fait, on ne paye plus d'heures supplémentaires, en vrai. Donc, là aussi, ça fait beaucoup d'économies. Donc, le coût du travail a évidemment été pris en compte. Alors après, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer pourquoi, parce que malgré tout, on nous compare à l'Allemagne, on dit, je vais peut-être arrêter, j'ai quoi, 3 minutes ou pas ? 3, 2 minutes. Ok.
parce qu'on nous compare à l'Allemagne à ce moment-là qui conquiert des parts de marché très importantes, mais en fait, l'exception, c'est l'Allemagne. Parce que l'Italie et l'Espagne perdent aussi des parts de marché. Et à mon sens, ce n'est pas les 35 heures qui font ça, parce que l'Allemagne et l'Italie, l'Espagne et l'Italie n'ont pas fait alors que l'Allemagne réduisait son temps de travail, elle. C'est plutôt l'union monétaire qui a produit un choc de compétitivité considérable et qui fait que tout d'un coup, le travail en France est devenu beaucoup plus cher que ce qu'il était aux États-Unis, comme en Italie et en Espagne. Et si l'Allemagne en a moins pâti, c'est parce que je crois les Allemands sont habitués à des révélations du Marx. Et donc, ils sont habitués à une compétitivité qui n'est pas basée sur le coût du travail. Je ne développe pas plus, mais si ça vous intéresse, on en parlera dans mon cas. Comme j'arrive à la fin, et que moi je parlais du passé, et que Eva va nous parler de l'avenir, je pensais qu'on a quand même eu une expérience positive. Évidemment, le contexte aujourd'hui n'est pas le même, et il faut le prendre en compte, mais c'est quand même le seul moment dans les 40 dernières années où on arrive à un moment à baisser le chômage, et ce sujet-là ne peut même pas faire partie de la discussion. Alors ici, c'est possible, enfin pas au gouvernement. De toute façon, aujourd'hui, le travail, il est déjà partagé. Enfin, je pense qu'il faut le rappeler. Aujourd'hui, il est travaillé entre ceux qui travaillent, parfois trop et qui en souffrent, parfois même en meurent, hein, plus que des attentats. Et puis, ceux qui n'en ont pas du tout. Ceux qui n'en ont pas du tout, qui en souffrent beaucoup aussi, et qui parfois en meurent aussi, hein, d'après des rapports extrêmement faibles. Et ceux, surtout celles, qui sont entre les deux et qui survivent avec des emplois à temps partiel. Je rappelle que la moitié des travailleurs à temps partiel vivent avec moins de 800 euros par mois. Alors, c'est pas évident de refaire une autre distribution du travail, etc. Moi, je dis pas que ça va de soi. Enfin, je vois pas comment on peut continuer à vivre dans une société où il y a autant de gens riches et autant de gens pauvres. Dire aussi que ça reste extrêmement compliqué quand même de vivre avec moins de 800 euros par mois et que comme c'était une de nos expériences positives, on pourrait peut-être s'en inspirer un peu et qu'au-delà de permettre une réduction du chômage, c'est aussi porteur d'un projet de société un peu désirable qui permettrait que les hommes et les femmes soient dans des situations un peu plus égales, que chacun puisse vivre dans la vie, à la fois en ayant du travail et en pouvant en vivre. J'en reviens pas, on ne peut pas tout croiser comme débat, même si évidemment ce n'est pas sans lien avec le revenu de base. Et aussi reconnu sa dignité en tant qu'autre chose que salarié, parce qu'on n'est pas que des consommateurs et des salariés. Enfin, comme un de ces jours, il va quand même bien falloir qu'on se lance vraiment dans la transition énergétique. Je sais qu'on mise beaucoup sur les nouveaux emplois créés. J'avoue que moi, je suis un peu plus dubitative. Bien sûr, on va créer des emplois, mais là, beaucoup de ces emplois créés vont en remplacer d'autres. Parce qu'on veut dépenser un peu moins, c'est possible aussi qu'il y ait des emplois simplement qui disparaissent. Donc, y compris la transition énergétique a sa légitimité indépendamment de création d'emplois éventuels. Mais je pense que c'est aussi une condition d'acceptabilité de la transition énergétique de permettre que chacun puisse avoir un emploi. Et il me semble qu'un autre partage du temps de travail pourrait y contribuer. Merci de votre attention. Un travailleur ou travailleuse de 2012 crée autant de richesses en une heure que 3,8 travailleuses ou travailleurs de 1960. Alors que le chômage et la recherche d'emploi concernent 5,4 millions de personnes en France, Eva, comment créer de l'emploi en période de croissance faible ? Tu as tout à fait raison. Je crois que la problématique qui est devant nous, c'est effectivement si on considère que la croissance faible sera certainement durable, en tout cas que c'est le scénario le plus probable et auquel on doit se préparer. La question qui est devant nous, c'est comment créer de l'emploi en période de croissance faible. On pense souvent qu'on est les seuls à se poser la question de cette façon-là, mais ce que je voudrais montrer d'abord, c'est que finalement, d'une certaine façon et sans le dire, les républicains et les sociolibéraux, parce que finalement ils ont la même politique de ce point de vue-là, ils ont une réponse, ils ont une option pour créer de l'emploi en période de croissance faible, mais ça n'est pas la nôtre. Il y a vraiment deux projets de société qui s'affrontent. Alors comment les républicains, les sociolibéraux se proposent de créer de l'emploi sans croissance, ou donc avec un revenu global constant? Et bien tout simplement en créant de l'emploi à bas revenu, précaire, souvent à temps partiel, et avec surtout mal rémunéré. C'est leur façon finalement de répondre au problème du chômage en période de croissance faible. Pour cela, ils utilisent trois leviers. Un qui est à l'œuvre depuis très longtemps en France, qui a été mis en œuvre par les gouvernements successifs,
c'est de développer l'emploi à bas salaire en concentrant les allègements de cotisations sur les bas salaires. Ça a commencé avec les allègements Balladur en 1993, qui étaient des allègements jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Ensuite, on a passé à 1,6 fois le SMIC avec les allègements en Fillon. Et finalement, récemment, on a poursuivi cette même politique avec le gouvernement Valls, qui a proposé le dispositif zéro charge au niveau du SMIC et la baisse des cotisations familiales jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Donc là, la première option, le premier levier, créer de l'emploi à bas salaire en allégeant les cotisations sur les bas salaires. Le deuxième levier qu'ils emploient, c'est de développer l'emploi à temps partiel. En France, on a favorisé le temps partiel entre 90 et 2000 surtout. En 92, il a été instauré un abattement forfaitaire de 30% des cotisations employeurs. Et la proportion de temps partiel dans cette période, elle a progressé de 5 points. Entre 90 et 2000, on est passé de 12,2% d'emploi à temps partiel à 17,2%. Donc on voit d'ailleurs que leur politique a vraiment marché. Ce que n'a pas dit Barbara, mais qui est, je crois, dit dans ton rapport, c'est que la réduction du temps de travail a d'ailleurs permis de freiner cette augmentation des temps partiels et que c'est une façon aussi, une alternative, au lieu de développer les temps partiels, développons la réduction du temps de travail, on l'a vu, avec les 35 heures. Et sur la question des temps partiels, l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'Allemagne, avec les réformes Hartz en 2000 et 2003, qui ont créé les mini-jobs à 400 euros et les mini-jobs à 800 euros. Et l'autre effet aussi qui augmente les temps partiels en Allemagne, c'est l'absence de structure d'accueil pour la petite enfance en Allemagne, ce qui fait que ces deux effets combinés, on a une explosion des temps partiels en Allemagne, on est à 28% de travailleurs à temps partiel, ce qui explique aussi les résultats en matière du chômage. 28% en Allemagne contre 19% en France, on a quand même limité les dégâts, en tout cas par rapport à cette politique de développement spectaculaire des temps partiels en Allemagne. Le troisième levier qu'emploient les républicains ou les sociaux libéraux, c'est d'exercer une pression globale sur les salaires. Et je dirais qu'il y a des économistes comme Patrick Artus qui ont le mérite de dire tout ce que les autres font tout bas, en disant que l'effet positif de la déréglementation du travail, c'est d'encourager la modération salariale. Au moins, lui, il a le mérite de le dire. Et c'est exactement ce qui était à l'œuvre dans la loi travail, tu l'as dit Barbara, c'est d'atteindre une baisse des salaires en mettant en concurrence les salariés, notamment par l'inversion de la hiérarchie des normes. Et c'est pour ça, notamment, que nous nous sommes opposés fermement, et on a été jusqu'à la motion de censure que Barbara et moi nous avons signée, pour... à cette loi de travail qui est vraiment un des leviers principaux, c'est-à-dire faire baisser les salaires pour créer l'emploi à revenu constant. Et j'ajouterai un quatrième levier dont on parle moins, c'est les salariés de l'économie collaborative, notamment les auto-entrepreneurs. Développer les auto-entrepreneurs, c'est encore une fois développer l'emploi précaire et à bas coût. C'est leur façon à eux de répondre au scénario de croissance faible. Alors on voit bien qu'il y a un projet de société qui est derrière, un projet de société auquel on doit s'opposer, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous défendons notre projet de société qui lui repose sur une répartition plus juste du travail et une répartition aussi plus juste des revenus, puisque ça va évidemment de pair. Tu as parlé un petit peu de la création d'emplois dans la transition écologique, moi je pense que c'est un levier important, pour moi les deux leviers sont complémentaires. Le Green New Deal, comme on dit, c'est-à-dire la création d'emplois dans la transition écologique et la réduction du temps de travail. Mais vraiment, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a bien deux choix de société qui sont en face de nous, deux projets de société, soit la généralisation de la précarité, soit une répartition plus juste du travail, et c'est la raison pour laquelle on doit absolument aujourd'hui remettre la réduction du temps de travail dans le débat public. Mais Eva... Est-ce que partager le travail n'est pas un tabou idéologique? Parce qu'on peut être pour ou contre le partage du temps de travail, mais nous avons bien l'impression que personne n'en parle. C'est vrai que, comme le disait Barbara, c'est difficile, et ça a été difficile depuis 2002, de parler de réduction du temps de travail. Pourquoi?
je vais peut-être faire un peu crier dans la salle, mais il faut rappeler quand même que la période de 2002, même si ça s'est soldé par 2 millions d'emplois créés, ça s'est aussi soldé par une sanction démocratique forte du gouvernement qui avait mis en place les 35 heures. Il faut s'en souvenir. Malgré cette création d'emplois très forte. Alors pourquoi? On a d'un côté 2 millions d'emplois qui ont été créés, mais on a 16 millions de salariés qui ont dû subir quand même des effets négatifs, notamment une modération salariale, ça a été dit, une intensification du travail, ça c'est une chose à laquelle on doit être extrêmement attentif, et aussi une inéquité entre les salariés, puisque d'une entreprise à l'autre, d'un statut à l'autre, d'un secteur à l'autre, il n'y avait pas les mêmes modalités et même niveau d'ailleurs de réduction du temps de travail, d'où parfois d'ailleurs des sentiments d'injustice assez forts. Moi j'entends encore, et c'est pas complètement faux, les 35 heures c'est que pour les grosses boîtes, moi ça m'intéresse pas. Et donc il y a même des gens qui veulent revenir sur les 35 heures parce que finalement eux-mêmes ont le sentiment de ne pas en être bénéficié, que ça bénéficie uniquement à d'autres. Donc quelque part, si je caricature, avec les 35 heures, on a fait 2 millions d'emplois, mais 16 millions d'insatisfaits, et c'est pour ça qu'à la fin, on a une sanction quand même démocratique assez lourde, malheureusement, un peu injuste, je le dis, parce que c'est vrai qu'il y a eu des résultats de ce gouvernement-là, mais de fait, ça a rendu inaudible un peu la défense de la réduction du temps de travail pendant la période qui a suivi. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que les libéraux ont surfé sur ce mécontentement pour mettre en place une véritable machine idéologique pour expliquer, comme tu l'as dit, que ça nuisait à la compétitivité française, que ça nuisait à l'économie et que donc, évidemment, c'était une mesure absurde sur laquelle qu'on ne pouvait pas continuer, sur laquelle même il fallait éventuellement revenir. Résultat, cette machine idéologique, elle a quand même été assez efficace parce que si on regarde les sondages, en 2015, il y avait seulement 27% des Français qui plébiscitaient la réduction du temps de travail comme moyen de lutter contre le chômage. Entre nous d'ailleurs, 27% c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon socle pour commencer. Mais c'est vrai qu'on a eu en face de nous cette machine de guerre idéologique qui a marché. D'où l'importance des travaux comme le rapport qu'a fait Barbara, parce qu'il faut déconstruire les idées reçues sur les 35 heures et montrer les effets bénéfiques que ça a eu pour pouvoir écrire une nouvelle page de la réduction du temps de travail, relancer le mouvement historique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est mon sentiment, alors que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était vraiment très difficile de parler de réduction du temps de travail. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouveau un espace dans le débat public. Pourquoi? Parce qu'on assiste à un échec et à un refus des politiques de l'offre et de déréglementation qui sont mises en œuvre par le gouvernement actuel. Le pacte de responsabilité, tu l'as rappelé, c'est 41 milliards d'euros, avec 500 000 emplois qui étaient promis par le gouvernement, même 1 million par le MEDEF, soyons fous. Or, l'efficacité de ce pacte de responsabilité, elle a été, tout le monde l'a constaté, pour l'instant, extrêmement faible. Si on regarde les créations nettes d'emplois dans le secteur marchand, elles ont été négatives en 2014, moins 45 000 postes. On a atteint ensuite 109 000 postes en 2015, 37 000 postes au premier trimestre 2016, ça fait 100 000 emplois sur la période. On voit bien qu'on est quand même très loin des 500 000 emplois prévus. Et par ailleurs, les 41 milliards d'euros, les Français l'ont senti passer parce que ça a été financé par des augmentations d'impôts sur les ménages, avec l'impôt sur revenu, la TVA, la taxe carbone. On a eu à peu près tout le panel des dispositions fiscales possibles pour augmenter la fiscalité des ménages. Donc, à la fois, ils ont trouvé que ça coûtait très cher et que ça avait très peu d'efficacité. Et dernière chose, au-delà du pacte de responsabilité, on a eu la loi travail et les Français ont très bien compris, comme le disait hier Yannick, il ne faut pas prendre les Français pour des jambons, ils ont extrêmement bien compris le projet qui était à l'œuvre derrière cette loi travail, qui était plus de précarité, plus de pression sur les salaires, et les Français ont clairement signifié leur refus de cette loi de travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, puisque ces politiques sont mises en échec, il y a la place dans le débat public pour offrir des alternatives à ces politiques de l'emploi. Et c'est pour ça qu'il faut reparler aujourd'hui de réduction du temps de travail, et je pense qu'on peut être écouté à nouveau. Alors, il n'y a pas de représentant d'un syndicat à cette plénière sur le travail. On peut le regretter, mais ça a un avantage, c'est que nous vous garderons pas plus de deux heures ce
ce soir. Mais pour pallier ce manque, dans la préparation de la plénière, nous n'avons pas hésité à aller piocher dans des discours ou des propositions syndicales. Ainsi, dans un article de Bastamaille, Mohamed Ousseddik, secrétaire confédéral de la CGT, déclare « Nous pensons aussi que la réduction du temps de travail peut réduire les inégalités, car en situation de crise, la réduction du temps de travail est bel et bien utilisée, mais par des temps partiels imposés, des contrats courts et du chômage partiel. Elle est subie pour les salariés et choisie pour les entreprises. Il est temps de remettre ce débat au centre du dialogue social et d'en faire un sujet de négociation. Nous visons une loi sur les 32 heures qui serait évidemment économiquement viable et profitable à tous. Quand on parle de réduction de temps de travail, beaucoup, voire la majorité, pensent aux 32 heures. Mais est-ce que les 32 heures sont la solution à la réduction du temps de travail légal ou ça peut être plus flexible ? Est-ce que ce n'est pas vrai que certaines activités nécessitent plus de travail à certains moments de l'année ? Et donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'instaurer les 32 heures par semaine, par exemple, mais lissées sur un trimestre ou une année ? Eva. Dans ta question, tu parles beaucoup de la flexibilité qui serait nécessaire pour les entreprises. Moi, j'ai envie aujourd'hui qu'on parle aussi de la modulation qui serait souhaitée par les salariés. Parce que s'il y a eu beaucoup d'insatisfaits, c'est aussi parce que quand on regarde les aspirations des Français, ils ne souhaitent pas forcément une réduction du temps de travail hebdomadaire. Certains oui, mais d'autres souhaitent une modulation tout au long de la vie. Et je pense qu'ils n'ont pas été entendus dans cette première phase de réduction du temps de travail. Donc pour que ça améliore véritablement la qualité de vie des salariés, je pense qu'il faut être très attentif à ça dans les propositions que nous faisons. Il faut écouter les besoins et les envies des salariés pour que ça corresponde vraiment à une amélioration de la qualité de vie pour eux. C'est la raison pour laquelle, moi, il me semble qu'il faut ouvrir les possibilités de réduction du temps de travail, garder cet objectif de 10% de réduction du temps de travail, mais avec des modalités différentes qui seraient offertes aux salariés comme des droits. Donc moi, je pense, bien sûr, on peut parler de la RTT, qui est déjà une forme d'annualisation, mais qui serait décidée par le salarié. On peut parler du congé sabbatique. Moi, je pense que 6 mois tous les 5 ans ou 1 an tous les 10 ans, c'est une modalité qu'il faut ouvrir aux salariés. On peut parler des pré-retraites. On peut parler des pré-retraites progressives ou pas, ou de partir plutôt à la retraite. C'est aussi parfois un souhait des salariés. Donc je pense qu'il faut ouvrir les possibilités. C'est pour ça que j'entendais les slogans très sympas sur les 32 heures au début. C'est un bon slogan, mais je pense qu'il est un tout petit peu réducteur et qu'à la limite, par rapport à notre projet qui est plus ambitieux, il faut ouvrir les possibilités qui sont aujourd'hui offertes aux salariés, et ça permettrait aussi d'avoir beaucoup plus d'adhésion et de réunir beaucoup plus de monde autour de notre projet de réduction du temps de travail. Donc moi, je suis pour une réduction du temps de travail ambitieuse avec différentes possibilités ouvertes aux salariés. Je crois que c'est la condition pour qu'on devienne majoritaire dans ce pays sur cette question. Et moi, je voulais parler d'une dernière chose, parce qu'on nous oppose aussi souvent la question du coût de la réduction du temps de travail. Tu en as un peu parlé. On ne peut pas parler dans l'absolu de savoir quel coût il y aurait pour la réduction du temps de travail. Ça dépend complètement des modalités qu'on choisirait, et notamment de la conditionnalité qu'on mettrait aux aides. Ça, c'est un élément important qu'on doit travailler dans notre programme. C'est est-ce qu'on conditionne les aides à la création d'emplois ? Pour moi, ça me paraît essentiel pour qu'on ait une véritable création d'emplois. De manière au-delà des 350 000 emplois qui ont été créés la dernière fois. Mais moi, quand on nous parle de coût et qu'on nous oppose le coût de la réduction du temps de travail, moi je pense qu'il faut rappeler 3 choses. La première, c'est le coût du chômage. Jean Gadret disait récemment, le coût du chômage pour la société française, c'est, on peut l'évaluer à 100 milliards d'euros. Donc quand on dépense 100 milliards d'euros, à cause du chômage, on peut activer une partie de ces dépenses pour financer de la réduction du temps de travail. Le deuxième qu'il faut rappeler aux gens qui nous opposent le coût de la RTT, c'est le coût exorbitant des politiques qui sont actuellement mises en place. Parce que 41 milliards d'euros du pacte de responsabilité pour créer 500 000 emplois, je vous laisse faire le calcul, je vais laisser qui n'ont pas encore été créés, je laisse Jean faire le calcul, mais ça fait 82 000 euros par emploi.
82 000 euros par emploi, c'est exorbitant. Et si on reprend les chiffres que donnait Barbara, si on estime que le coût des 35 heures, c'est globalement estimé à 12 milliards d'euros, et ça a créé entre 350 000 et 400 000 emplois, ça fait 34 000 euros par emploi. Donc finalement, la réduction du temps de travail, c'est la modalité à la fois la moins coûteuse et la plus juste pour créer des emplois dans une période de croissance faible. Barbara, tu as été rapporteuse d'un long rapport sur la question, on l'a longuement dit, mais surtout c'est quoi la suite et comment se battre sur de tels dossiers quand la sphère politique élue n'est pas du tout sur cette même longueur d'onde? Alors pardon, mais je vais quand même réagir sur l'histoire du coup et de pourquoi ça n'a pas marché, d'autant que j'ai vu que l'excellent Guillaume Duval, rédacteur en chef du non moins excellent Alternative économique, qui fait une vraie campagne pour la réduction du temps de travail, je vais rapporter un certain nombre de ces arguments. Je pense aussi qu'il faut qu'on soit, pardon je vais le dire comme ça fait un peu prétentieux, je sais pas, mais lucide sur nous-mêmes, à la fois, enfin lucide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les Français pour des gens ronds, comme le disait Yannick et comme tu le reprenais, mais il ne suffirait pas de retirer la loi travail pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, même si évidemment cette loi les exagère, et sur pourquoi on a perdu 2002, au-delà bien sûr du fait que vous aviez un candidat, je plaisantais, pour une fois que nous on en avait un qui ressemblait à quelque chose, en plus sympa quand même un petit peu, mais je pense sur la question de la perception des 35 heures, ok il y a ceux qui les critiquaient, mais il n'y avait quand même pas grand monde en face pour les défendre, y compris quand on dit c'est vrai, il y a des gens pour qui ça a amplifié la flexibilité, etc. Enfin, la tendance à la flexibilisation du travail, ça ne date pas des 35 heures. C'est partout dans le monde, en France, et les emplois dans lesquels la flexibilité a été amplifiée, c'est surtout des emplois dans lesquels la flexibilité était déjà grande et dans lesquels les salariés ne peuvent pas se défendre beaucoup. Tu disais aussi qu'il y a eu une inéquité, parce qu'en fonction du lieu dans lequel on se trouve, on est plus ou moins bien défendu. C'est vrai, mais on veut défendre le dialogue social. Et donc, le dialogue social étant ce qu'il est, oui, il y a des entreprises dans lesquelles les salariés sont mieux défendus que dans d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter et en prendre acte. Il y a surtout des gens, la majorité des gens qui ont été interrogés étaient contents. Pour eux, ça a amélioré leur vie. C'est la majorité des gens dont ça a amélioré la vie, pas juste les cadres. Il y a à peu près un quart des gens qui ont dit que ça n'avait rien changé à leur vie, d'autres pour lesquels ça l'avait dégradé, et celles chez lesquelles c'est les plus fortes, c'est les femmes peu qualifiées qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi qu'ils n'ont pas d'enfants? Parce que celles qui ont des enfants ont juste été obligées d'arrêter de travailler tellement les conditions étaient exagérément difficiles. Mais sur les conditions de travail, je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser prendre quand vous regardez les enquêtes sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur les conditions de travail. Pendant les 5 ans de la mise en place des 35 heures, les critiques sur la dégradation des conditions de travail stagnent. Elles n'augmentent pas. Alors que tout le reste du temps, elles augmentent. Donc il ne faut pas non plus relayer ces trucs-là. En plus, je pense qu'il y a un problème et une question de manque de solidarité, pardon, je vais le dire comme ça. C'est normal que des salariés qui gagnent déjà pas beaucoup et dont les salaires sont gelés pendant 2 ans, ben évidemment, on est ras-le-bol et revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail et de leur rémunération. De même que ceux qui n'avaient pas de boulot, c'est pas parce qu'ils trouvent un boulot payé au SMIC qu'ils vont remercier sans arrêt. Eux aussi revendiquent après ça. Mais je pense qu'il y a donc ça a fait pas mal de gens insatisfaits, mais je pense que le travail aussi sur la question de la solidarité, enfin moi qui ai marge aujourd'hui à 5 000 euros par mois comme députée, je ne vais pas aller faire la leçon à ceux qui gagnent le SMIC. Mais il y a quand même un sujet autour de ça et vous avez à la fois ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils voudraient que leurs conditions s'améliorent, vous avez tous les patrons que ça a fait chier parce qu'être obligé de négocier, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne le font pas volontiers, qui ne le font pas bien, mais on n'a jamais autant négocié, la seule période comparable c'est les lois Auroux, et donc évidemment ça les fait suer. Donc, et c'est vrai que si là, il n'y a personne pour dire « bon bah, c'est quand même aussi ce qui permet que d'autres aient un boulot », et à la différence de ce qui se passe en Allemagne, où le corps syndical est évidemment beaucoup plus présent, puissant, même s'il y a des limites, tout le monde n'est pas bien représenté, où il y a des gens aussi qui sont en mesure de rappeler un nombre de délégués syndicaux par salarié, qui sont en mesure de rappeler, de dire aussi qu'est-ce que ça a permis de gagner. Voilà, donc c'est aussi une loi de solidarité. Et c'est vrai que c'est pas parce que sa vie à soi s'améliore qu'on est tout de suite enclin à penser forcément à ceux des autres. Et je pense que ça, on a un travail tous à faire parce que
Imaginons que la gauche vienne au pouvoir un de ces jours, on ne va pas pouvoir, y compris sur l'annualisation et la flexibilité, simplement dire, c'est, bien sûr, il faut que la flexibilité soit aussi le choix des salariés. Mais évidemment, ça ne peut pas être que ça. Bien sûr qu'il y a des boulots, des périodes dans lesquelles il faut s'adapter. Et la plupart des salariés comprennent très bien. Ce qui pose problème, c'est d'une, le fait que ça ne soit pas payé, le fait que ce soit toujours les mêmes, et le fait que ça ne soit pas anticipé. Beaucoup de gens, y compris, disent que la flexibilité, c'est pas toujours un problème. Parce qu'y compris, avoir des temps de libre pendant lesquels d'habitude on est au boulot, ça permet aussi d'aller faire des démarches, des fois, dans les services publics, etc. Donc, moi, je ne peux pas le négliger, mais je pense qu'il ne faut pas trop relayer non plus les arguments de ceux qui sont cons, parce qu'ils sont assez largement faux. Je n'ai pas répondu à la question que tu m'avais posée, je crois. En 4 secondes, la oui, suite. Oui, bon, je pense qu'en débattre, argumenter, démonter les arguments, etc., voilà, nous fera peut-être gagner. Je n'en sais rien, mais nous n'avons guère d'autre choix. Et soutenir Alternative économique, évidemment, qui en a besoin et qui fait une campagne. Merci, Barbara, et là, d'avoir participé à cette étape. Pour la suite, en troisième table, nous écologistes défendons un autre modèle d'entreprise avec des coopératives et dans l'économie sociale et solidaire. Pour nous en parler, nous avons invité Antoinette Gull, adjointe à la mairie de Paris, à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale et à l'économie circulaire. Et parce que la formation initiale, comme tout au long de la vie, est primordiale, nous avons invité Corinne Bouchoux, sénatrice du Maine-et-Loire. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints sur cette table. Donc on a parlé revenu de base, on a parlé partage du temps de travail. Le troisième temps, c'est avec vous qu'on souhaite le passer. Oui, Emmanuel Macron, tout à l'heure, nous a convaincu d'une chose, c'est que notre vision du travail ne s'inscrit pas du tout avec la vision du MEDEF. C'est pourquoi nous avons invité. Et la première question, c'est Antoinette, de nouvelles formes d'économie voient le jour aujourd'hui. Toi qui milites pour l'économie du partage, peux-tu en parler tout simplement? Oui, alors moi je vais déjà commencer à poser une question aux personnes qui sont dans la salle, c'est est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont utilisé Airbnb pour se loger à Lorient? Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors nous ne sommes pas très très nombreux, mais il y a effectivement, nous sommes nettement moins nombreux que la population française, puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a une très très forte demande d'économie collaborative aujourd'hui en France. Quand je dis une très forte demande, il y a une étude qui est parue par Thales Sofras il y a quelques mois de ça, je crois que c'était en juin, et qui disait aujourd'hui que 9 Français sur 10 avaient une pratique d'économie collaborative. Alors, avoir une pratique d'économie collaborative, c'est pas que Airbnb, il y a plein de pratiques d'économie collaborative dont je voudrais vous dire également quelques mots, parce que je pense que c'est aussi à nous, écologistes, de prendre ces sujets qui sont extrêmement émergents aujourd'hui, tu en as parlé Eva, hein, lorsque tu parlais de l'auto-entrepreneuriat, de prendre ces sujets et d'avoir des positions sur ces sujets qui sont extrêmement importants et qui concernent une grande partie de la population. Quand on dit que 9 personnes sur 10 utilisent de l'économie collaborative, ça veut dire que 90% des Français n'y sont pas étrangers. 5% de la population, 5% de la population retire la moitié de ses revenus d'une économie collaborative. Alors aujourd'hui, on n'est qu'à 5%, mais ça fait que quelques années que cette économie est en train d'émerger. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau modèle qui est en train de s'imposer, qui s'impose effectivement en s'installant dans les failles, et dans les failles souvent capitalistes de notre système. Et à partir de là, j'aimerais qu'on réfléchisse à quelle est notre position, à nous écologistes, face à cette nouvelle économie. Alors, moi je dis, il y a deux types d'économies collaboratives. Il y a tout d'abord une économie qu'on pourrait appeler l'économie du partage et qui est une économie qui est vertueuse. Et je tiens à le dire parce que depuis des dizaines d'années, nous militons pour cette économie qui aujourd'hui entre dans le champ de l'économie collaborative, qui se mélange avec Uber et avec Airbnb, et qui du coup fait un espèce de boubi-boulga dans lequel nous, on ne sait plus se positionner. Alors oui, les AMAP sont de l'économie collaborative. Oui, le développement des circuits courts, c'est de l'économie collaborative. Les réseaux de voisinage, c'est de l'économie collaborative. Et nous tenons à cette nouvelle forme d'économie qui a vu sa naissance souvent dans les réseaux d'économie sociale et solidaire,
et qui aujourd'hui peut aussi tirer profit de cette émergence d'une économie collaborative nouvelle, mais que nous, nous pouvons aussi, à notre manière, rendre écologique et rendre plus sociale. Donc cette économie du partage, qui est une économie que nous, nous appelons nos voeux depuis longtemps, elle permet également de créer une autre forme d'économie en donnant de la valeur à des choses qui n'étaient pas jusque-là monétisées. Alors je vais vous prendre un exemple. Dans de nouvelles formes d'économie collaborative, on voit des réseaux de voisinage qui disent « Ah ben, moi je sais bien faire la cuisine, c'est une compétence que j'ai, mais qui pour l'instant n'est pas une compétence professionnelle, et ben je vais proposer à un réseau de voisinage d'acheter les plats qui sont cuisinés. » Donc là, vous allez me dire, bah, effectivement, si c'est sur un réseau de voisinage, si ça permet de vivre dignement d'un travail qu'on fait, etc., ça peut être intéressant. Mais vous voyez que la limite avec une économie collaborative plus prédatrice, quand ça prend une forme très très large, eh bien, elle est effectivement assez ténue. Mais dans ces nouvelles formes, dans ces nouveaux métiers qui naissent aussi de cette économie du partage, moi je voudrais quand même dire qu'il y a aussi plein de savoir-faire qui reviennent. Et peut-être j'expliquerai tout à l'heure pourquoi on en est là. Il y a beaucoup de savoir-faire qui reviennent, qui réémergent de cette nouvelle économie. Alors moi je pense là spécifiquement à tout le mouvement des makers, de ceux qui recommencent à faire et qui font aussi partie de cette économie collaborative. Et puis nous avons une autre économie collaborative qui est cette économie de la prédation, qui elle va ajouter de la précarité et qui s'adresse souvent déjà à une population qui est précarisée, qui fait que Uber, par exemple, est le premier employeur aujourd'hui de l'île Saint-Denis. Donc c'est quand même une question dont on doit s'emparer. Alors moi, je voulais aussi vous donner un autre point de vue sur cette question de l'économie collaborative et particulièrement d'Uber. C'est quand même faux parce qu'on a accepté d'Uber la partie vraiment la moins vertueuse qu'il nous proposait entre Uber et UberPop à la limite. Je dis bien à l'extrême limite parce que je m'oppose tout autant à UberPop, mais à l'extrême limite sur UberPop, nous avions là des individus qui, comme vous ou moi, ou comme des personnes qui étaient en chômage ou au chômage, pouvaient dire « Ah bah tiens, je sais conduire, je peux peut-être proposer d'avoir un complément de salaire, enfin un complément de salaire ou un complément de chômage ou un premier salaire en faisant ce travail. » Alors ça n'a pas été accepté pour au contraire utiliser Uber Pro qui lui, par le biais, et là je dis bien que c'est derrière le maquillage de l'auto-entrepreneur et donc de cette vision qu'on a plutôt bonne de ce qu'est un entrepreneur qui vient abîmer un peu plus la condition de l'emploi. Alors, comment c'est possible d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire et de manière responsable? Alors, effectivement, parce que quand je dis que ces pratiques d'une économie prédatrice, elles utilisent ce maquillage de l'entrepreneuriat, en fait, nous avons, nous, dans l'économie sociale et solidaire, des modèles entrepreneuriales qui, à la fois, peuvent concilier les valeurs de l'économie du partage et les valeurs, le besoin et l'envie d'entreprendre. Alors ce sont les coopératives d'activité et d'emploi qui existent en France depuis 15 ans, qui sont la parade absolument parfaite à ce modèle qui est développé par Uber et par d'autres, et qui permettent à la fois d'entreprendre, d'essayer une activité, et qui en même temps assurent une certaine sécurité et une certaine sécurité et en même temps une mutualisation et un travail collectif. Merci Antoinette. Alors peut-être juste sur ce besoin d'entrepreneuriat, je voulais quand même dire que, oui, j'en ai pour une minute, je voulais dire que c'est quand même un moteur qui est extrêmement important chez les jeunes aujourd'hui. On a un jeune sur deux, un étudiant sur deux qui a envie d'entreprendre socialement. Et ça aussi, c'est une réflexion moi, je trouve qu'on peut avoir et qu'on peut lier au type d'emploi qu'on propose, parce qu'on a beaucoup parlé de travail et on a beaucoup parlé de travail sous son angle quantitatif. On parle de réduction de temps de travail, on parle de nombre d'emplois de nombre d'emplois créés. Par contre, est-ce qu'on se pose la question de la qualité et du sens du travail que l'on crée? Et ça, c'est extrêmement important dans l'économie sociale et solidaire. On se pose effectivement ces questions du sens qu'on
qu'on accorde au travail. Et je dirais aussi que si on a autant de jeunes qui ont envie de s'y investir, c'est aussi parce qu'un grand nombre d'emplois qui sont proposés sont, je vais ouvrir des guillemets, utiliser un anglicisme parce que ça a été théorisé par un anglais, qui sont des bullshit jobs. On a tellement segmenté le travail qu'on est arrivé à en faire un travail qui n'a plus de sens, où on n'a plus de responsabilité et où effectivement on aspire à autre chose. Et c'est ce qui fait aujourd'hui cette montée, cette envie d'entrepreneuriat social dans lequel nous, écologistes, nous devons nous engager, et dans notre programme, j'espère qu'on en parlera, mais nous devons nous engager, non pas avec les outils du capitalisme, mais avec des outils qui nous sont propres, qui nous sont écologiques, qui sont sociaux, et qui permettent d'assurer nos objectifs écologiques. Je reviens de base. Merci Antoine pour cette partie sur la formation initiale et tout au long de la vie est quelque chose de primordial. Même si la formation est un pilier d'une autre loi de travail, nous n'allons pas développer dans cette plénière toutes les améliorations à apporter à notre système éducatif ou à la formation continue, sinon la plénière ne finira à pas d'heure. Non, je vais un peu éclairer le sujet pour vous montrer en quoi c'est primordial de se pencher sur ces questions. Donc du coup, Corinne, avant d'être sénatrice, tu as été en charge de la direction de la formation de l'Institut National d'Horticulture et de Paysage à Angers. C'est quoi le modèle de formation initiale? On va donner le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer par 30 secondes d'un compliment, parce que je voulais quand même le faire, je ne sais pas s'il reviendra plus tard dans la soirée. Il peut nous arriver sur certains sujets, j'en parlais du revenu de base ou d'autres, d'avoir des visions non convergentes avec nos amis communistes. Mais je voudrais quand même signaler que sur la loi travail, ils ont fait un travail de titan au Sénat. Alors Jean, Aline et toutes nos équipes ont aussi travaillé. Mais je voulais quand même signaler, parce qu'on dit toujours ce qui ne va pas en politique, là c'est un truc que je voulais dire bienveillant et un vrai compliment, que sans le boulot qu'ont fait les équipes communistes et qui ont été très précieuses avec des moyens conséquents, j'allais dire, le texte qui est sorti du Sénat aurait été encore plus pire que le texte horrible qu'on n'a évidemment pas voté. Donc je voulais commencer par un compliment que je n'aurai pas le temps de faire tout à l'heure. Sur, je dirais, l'évolution des modes de formation, ce qui est clair, c'est que pour les écolos, on est évidemment, alors je ne développe pas pour des moyens aux universités, pour des moyens aux services publics, etc., on est pour une formation de qualité. Après, il y a quelque chose qui nous semble important, c'est d'accepter la pluralité des modes de fonctionnement. Pour le dire simplement, tout le monde n'est pas fait pour rester 8 heures par jour sur une chaise. Et il y a un certain nombre de jeunes, et ça, ça a été une de mes surprises lorsque j'ai été invitée à Nantes au congrès de l'UNEF, de découvrir qu'à l'UNEF, il y avait aussi des étudiants qui étaient d'accord, et avec l'alternance et avec l'apprentissage, à condition que cet apprentissage ne soit pas un détricotage du service public tel qu'il existe, c'est-à-dire qu'on ne joue pas à l'apprentissage contre le service public, mais que ce soit réellement un mode de formation qui soit complémentaire et que l'on ait une réflexion sur la pluralité des modes de fonctionnement, notamment, et ça c'est un sujet dont on pourrait discuter, parce que pour certains sujets, pour certains métiers, pour certains secteurs, compte tenu de ce qu'est la société moderne, compte tenu de ce que sont les jeunes élèves d'aujourd'hui, mais qui sont plus du tout comme nous dinosaures et pions de notre temps relativement dociles et qui avaient comme seule source d'instruction l'enseignant, actuellement les jeunes ont 7 ou 8 sources d'information, il apparaît que pour certains secteurs, le fait de rendre possible l'apprentissage pourrait être quelque chose de positif, mais là je ne vous parle pas de l'apprentissage version MEDEF, etc. C'est-à-dire d'un apprentissage citoyen, qui soit fait avec des garanties d'éthique et qui soit fait, on va dire, en lien avec le service public et qui ne soit pas fait contre le service public. Alors, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, là aussi, il faut savoir de quoi on parle, parce que l'apprentissage à Subdeco ou HEC, enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin de l'apprentissage. Il s'agit en réalité d'un détournement de ce qu'est l'apprentissage pour capter des fonds, et c'est un mode de financement de l'éducation supérieure que nous condamnons. En revanche, de réfléchir à ce qu'il y ait des possibilités d'apprentissage dans des domaines. Alors, je vais donner un exemple très concret. Dans tout ce qui concerne les travaux sur la foresterie, sur le paysage, dans l'agriculture, etc. Eh bien, compte tenu, et je sais, j'en viens, compte tenu de ce qui se passe dans les agros, les amis, si on veut la transition écologique, alors il y a des gens formidables dans les agros, les étudiants sont super, mais quand vous regardez le modèle dominant, c'est quand même celui qui est en train de nous mettre dans la panade avec Lactalis et autres soucis.
Donc si nous voulons que pour l'agriculture, que pour un certain nombre de secteurs, les choses évoluent, eh bien il faut aussi accepter d'avoir une approche micro, une approche plus locale, avec des artisans, avec les gens avec lesquels certains bossent, la CAPEM, etc. Et donc nous sommes quand même partisans d'une réflexion, de ne pas être dans quelque chose de manichéen sur l'apprentissage, que l'apprentissage serait forcément mauvais, etc. Alors après, il y a des dérives dans lesquelles on ne veut surtout pas tomber. Nos collègues sénateurs, il y en a qui auraient bien fait des apprentis à 12 ans, qui auraient bien fait le travail de nuit pour les apprentis. Donc on est totalement hostile à la vision de l'apprentissage qui est portée par la majorité de droite au Sénat et qui n'est pas mal vue de certains collègues, comment vous dites, socialistes, libéraux, etc., qui sont sur ça. Mais si on redéfinit une pluralité des modes de formation, si on est pour la formation tout au long de la vie, eh bien on doit aussi accepter en tout cas la réflexion sur l'apprentissage. Il n'y a pas un modèle unique. Aujourd'hui, il faut accepter une révolution intellectuelle écolo sur l'apprentissage. Donc ça fait du boulot pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. C'est pas trop long ? Merci, Corinne. On commence dans un métier, puis on veut aller plus loin, ou au contraire, on veut s'en éloigner un peu, beaucoup, ou totalement se reconvertir. Aujourd'hui, la formation continue tout au long de la vie est primordiale. Le gouvernement actuel a mis en place un compte formation. Est-ce que la loi est allée assez loin dans l'aide aux salariés qui souhaitent évoluer, se réorienter ou se reconvertir? Ou faut-il aller plus loin et comment? Alors, vaste question et très bonne question. En fait, à ta question, je pense qu'on peut mesurer le grand masochisme actuel d'un certain nombre de responsables socialistes qui avaient une mesure constructive et positive à proposer concrète et qui ont trouvé le moyen de la mettre dans une loi qu'on a condamnée massivement. Et donc, ils ont réussi à mettre, on va dire, une bonne idée dont on peut discuter dans un texte qui, comme on l'a dit, a suscité la réprobation d'une grande partie des salariés. Alors, le CPA est une réelle, on en a parlé assez longtemps, c'est une réelle avancée parce qu'en fait, c'est un compte personnel qu'on va affecter à la personne et qui ne sera plus forcément, je dirais, lié à ses aléas professionnels. Donc, en ce sens, cela peut être un progrès. Néanmoins, ça a été aussi mis en place pour colmater les brèches de ce que les socialistes n'ont pas voulu mettre en place sur ce qui était pourtant très important, le compte de pénibilité. Et on nous a rajouté, parce qu'on a voulu faire de la com, un compte d'engagement citoyen. Donc, d'un concept qui pouvait être à développer. Le compte personnel d'activité, on en a profité pour le mélanger avec d'autres choses en étant très mauvais pédagogue. Dans la mesure où pour le moment on est encore quand même dans le flou sur les financements et sur les possibilités, il y a une chose, si on veut être bienveillant ce soir et sympathique, qui est importante et positive, c'est que pour les personnels qui, on va dire, sont sans diplôme, etc., il y a une prise de conscience et donc on propose de mettre en place un programme de formation possible de 150 à 400 heures. Enfin, 400 heures, je suis désolée, dans le monde moderne tel qu'il est, c'est insuffisant. Donc on va dire que d'une intuition censée positive qui aurait pu être une contribution au débat, on a raté coche. Alors deuxième point que je voulais signaler aussi, pourtant je suis plutôt connue pour mes positions bienveillantes, quand les socialistes prennent des mesures en matière de formation, le grand masochisme est qu'on propose des choses mais qu'on ne les fait pas forcément à côté. Alors, je vais vous donner un exemple que certains vont bien comprendre. On a essayé dans la loi travail de le rappeler. On veut de la formation pour tous. On veut de la formation tout au long de la vie pour tout le monde. Mais ce serait quand même sympa de le faire aussi pour ceux qui sont formateurs, qui vont être à former les gens qui vont être formés. Et donc à partir du moment où on peine encore, c'est mieux que ce que c'était, il y a des avancées, mais à partir du moment où on n'est pas dans une réflexion sur la formation tout au long de la vie, y compris pour les personnels enseignants, on n'a pas fait suffisamment de formation continue, ça va être très compliqué de permettre pour tout le monde la formation qu'en ce moment, on n'offre toujours pas aux enseignants. Donc là, on a un vrai décalage, une schizophrénie, ça a été signalé tout à l'heure, entre ce qu'on dit qu'on va vouloir faire et la réalité. Donc pour le moment, je dirais qu'on est extrêmement vigilant, mais l'idée est là, mais le compte n'y est pas. Merci Corinne. Et merci à toutes les deux d'être venues à notre table et on va enchaîner avec le dernier pilier de notre loi travail. Le dernier pilier que nous défendons, c'est le progrès social. Dans le progrès social, il y a l'égalité homme-femme, femme-homme dans le monde du travail qui est un réel sujet que nous souhaitions vraiment aborder à cette plénière avec Raphaël Rémy-Leleu, Doser le féminisme.
Il est ministre pour le progrès social, il est sénateur de Paris et il est secrétaire national du Parti communiste français. J'appelle Pierre Laurent. Et enfin, il est secrétaire national d'Europe Écologie, pour conclure la plénière, David Cormand. Il y a de nombreux progrès à faire, et peut-être que le plus important est dans l'égalité femmes-hommes. En effet, plus de 80% des temps partiels sont féminins, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est significatif, les postes à responsabilité sont majoritairement occupés par des hommes, et je vais arrêter là la liste, parce que vous allez tous devenir féministes. Mais le problème, Benjamin, c'est que ce n'est pas nouveau. Et pour vous en parler, nous avons demandé à Raphaël d'Oser le féminisme de venir nous parler d'égalité au travail. Raphaël, merci d'être là. Raphaël, je vais éviter de te poser la question, comment ça se fait qu'en 2016, autant de différences existent encore entre les hommes et les femmes dans le monde du travail? Mais tu admettras que ça interroge. Vous êtes mobilisés contre le projet de loi El Khomri. On a entendu parler de l'article 2 et de l'inversion des normes, de l'augmentation des plafonds de la durée de travail maximale ou de l'instauration des plafonds d'indemnité prud'homale. Mais nous n'avons pas forcément fait le lien avec l'impact direct pour les femmes. Mais en quoi les femmes seront plus touchées par la nouvelle loi travail? Vaste question, à peu près pour tout. Mais avant, je vais refaire un petit compliment aux jeunes écologistes. C'est un peu notre soirée. En fait, c'est le moyen le plus facile de se faire applaudir. Mais le vrai compliment, c'est qu'on s'est quand même beaucoup croisés cette année, que ça soit dans la mobilisation contre la loi de travail, contre l'état d'urgence. Et on a tous fait ça pendant des heures en réunion, même si là, vous explosez tous les records en termes de réunion quand même. Mais surtout, c'est rare quand on est une association féministe de trouver des vrais alliés dans ces discussions qui restent sexistes, dans ces négociations où, quand on est une femme, on oublie de vous donner la parole, et même dans les manifestations, quand, et j'en vois certaines dans la salle, certains et certaines des jeunes écologistes sont de vrais alliés pour lutter contre le harcèlement sexuel en manifestation, et ça, quand on reçoit ça de la part de progressistes et de camarades, c'est important de vous avoir, donc merci beaucoup là-dessus. Merci. Comment les femmes vont être les plus touchées sur les conséquences de la loi travail? J'ai juste envie de vous dire surtout, je ne vais pas reprendre de manière exhaustive l'ensemble des mécanismes de la loi travail, je crois qu'on en a soupé, mais je vous dirais simplement que c'est un problème de traduction. En français, quand on s'exprime, il y a le masculin universel. Vous savez, cette règle où vous allez parler de 15 filles dans une salle plus un mec, vous allez dire « il ». Ben, c'est un peu pareil quand on parle d'économie et quand on parle de la loi travail. Par exemple, quand on dit on va payer moins les temps partiels. En réalité, quand 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, ça veut dire on va payer moins les femmes. Quand on dit qu'on va flexibiliser, libérer les énergies, en fait, notamment quand ça pose de gros problèmes sur l'articulation vie privée, vie professionnelle, on sait que ce sont les femmes qui ont principalement cette charge, on sait que ce sont les femmes qui occupent toujours 80%, qui s'occupent toujours de 80% des tâches ménagères. Et même sur ce fameux article de l'inversion de la hiérarchie des normes, je vous avoue qu'au début de la mobilisation sur la loi travail, je crois qu'aucune et aucun d'entre nous ne pensait qu'on arriverait à faire comprendre l'inversion de la hiérarchie des normes à tout le monde. C'est un truc qu'on a réussi. Mais il reste de la traduction à faire. À savoir que l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est particulièrement dangereux dans les très petites et les PME, dans les très petites entreprises et dans les PME. Sauf que la majorité de ces emplois-là, du fait de la structuration du service du secteur tertiaire en France, du fait des temps partiels, bah dans ces secteurs-là, on va trouver principalement des femmes. Donc aucun homme politique, aucune femme politique ne sera assez bête pour vous présenter la loi travail en vous disant « on va payer moins les femmes, on va faire en sorte de rendre l'articulation vie privée, vie professionnelle encore plus difficile, et on va faire en sorte que les femmes aient encore moins de pouvoir dans la démocratie sociale. » Sauf qu'en fait, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est une illustration, cette traduction, en fait, c'est la réalité des violences économiques que subissent les femmes. Et je dis bien violences économiques et pas inégalités ou différences, parce que les violences économiques, les inégalités qu'on a aujourd'hui,
elles ne sont pas juste tombées dessus dans la sphère économique et ah là là, c'est ballot. C'est un continuum de violences que subissent les femmes dans tous les domaines de leur vie, et c'est ça contre lequel il est très difficile de lutter. Mais surtout dans ta question, tu disais le politique au sens large ne s'est pas assez saisi de l'argumentaire féministe en fait sur la loi travail. Je vous raconte une petite anecdote, ça m'a allé très vite et je vais conclure là-dessus. Le matin de la mobilisation loi travail, il est tôt, je me fais un café, on s'apprête à partir en manif. Et en me faisant un café, j'entends un homme politique féministe, me disais-je, en train de faire un argumentaire contre la loi travail en utilisant des arguments féministes qui, je pense, étaient directement issus de notre site internet. Vous m'imaginez, je me précipite dans le salon pour voir à la télé qui est cet allié, qui est ce féministe. Et là, je me retrouve à recracher mon café parce que ce prétendu allié, c'était Florian Philippot. Ben ouais, mais sur le coup, ça fait pas rire du tout. Ça fait même plutôt mal. Et là-dessus, il y a une vraie question, et j'en profite d'avoir ce panel autour de moi, sur pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'inclure une analyse qui concerne les droits des femmes pour tout le reste des sujets. Finalement, il y a Barbara qui en a parlé, je ne doute pas que maintenant vous allez en parler, mais par exemple, vous avez parlé du revenu de base sans évoquer une seule fois les femmes. Mais maintenant que Monsieur le Programme est revenu, je vais vous le dire et je vous en supplie, les droits des femmes n'en faites pas un chapitre. N'en faites pas un moment où vous n'allez pas en parler dans une conférence parce que c'est pas grave, il y a la féministe qui intervient après et on va pas lui couper un bout de son intervention. Merci mais non merci, puisque de toute façon vous pouvez parler des droits des femmes en permanence, je vous assure qu'on trouvera d'autres choses à raconter. C'est comme quand on a eu le remaniement ministériel avec enfants, famille et droits des femmes, et des gens nous disaient « mais je comprends pas pourquoi ça vous énerve, c'est plutôt naturel ». Déjà dit à des féministes que des choses sont naturelles, ça fait bizarre. Mais moi j'attends surtout quand on aura un ministère de l'intérieur et de la justice et des droits des femmes, où, parce que c'est pas des portefeuilles que j'affectionne particulièrement, mais cette année, en 2016, il y a déjà 71 femmes qui sont mortes en France parce qu'elles étaient des femmes. Le jour où on nous prendra autant en sérieux que ça, peut-être que ça n'arrivera plus. Et peut-être même que si on avait eu un ministère du travail, de l'économie et des droits des femmes, on n'aurait pas eu cette loi. On a parlé d'une loi toute pourrie sortie du chapeau d'un gouvernement libéral. Mais demain, quelles seraient les mesures phares d'un gouvernement de gauche qui devrait... quelles sont les mesures qu'un gouvernement de gauche devrait forcément appliquer? Alors là, j'aime bien parce qu'on ne me pose pas souvent la question. Donc autant c'était un peu compliqué à préparer, autant ce que tu me demandes en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si demain les féministes sont au pouvoir? C'est un peu le cauchemar d'Éric Zemmour et de Jenny Bastier. Ils pensent être déjà dedans, ils croient qu'on tire déjà toutes les ficelles. Je pense qu'on peut continuer à leur faire peur et leur montrer que non, ce serait pire. Déjà, on s'entend, pire pour eux, mieux pour nous. Donc je vais pas faire un nous présidente, on est plutôt pour la sixième aussi, mais en tout cas, si on était au pouvoir, il y a des choses que je dois rappeler de base avant de passer à la loi travail. La PMA, j'attends toujours. La parité comme une exigence démocratique, ça vous le comprenez et vous le faites très bien. Un ministère plein et entier, avec des moyens, parce que sans rien, rien. Et un truc que je pensais pas avoir à répéter en 2016, mais si les féministes sont au pouvoir, si la gauche est au pouvoir, il n'y a plus d'agresseurs dans un gouvernement. Bélé dégage, certains dégagent. Dire parce que ça a un peu structuré tout le débat politique, et c'est pour ça aussi qu'on ne donne pas la parole aux femmes dans le débat politique, c'est qu'on a voulu nous faire croire qu'il était possible d'être un agresseur dans sa vie privée, mais quand même d'être un bon homme politique par ailleurs. Donc je reviens du boulot, moi, mec, content de ma journée en tant que parlementaire, en tant que ministre, avec la conscience du devoir bien accompli, ensuite je peux redevenir agresseur dans l'intime. Soyons clairs, ça n'existe pas. Un agresseur de femmes est un agresseur des femmes, est un agresseur politique, et on ne peut plus les tolérer si on veut avoir des politiques humaines. Et
Donc maintenant, vous voyez que c'est très large. Hein. Dès qu'on est au pouvoir, on est un dawa pas possible. Mais l'égalité, comme ce projet de société, c'est un projet de société avec un féminisme en ligne conductrice. Du coup, ça nous fait plein de boulot parce qu'il y aurait beaucoup de choses à construire ou à déconstruire. Et je vais juste vous donner quelques exemples. Avant de pouvoir construire une économie et un droit du travail plus féministe, il nous faudrait un service public de lutte contre les violences faites aux femmes, d'accueil et d'accès aux droits et à la santé. Parce que c'est pas vrai qu'on peut avoir l'autonomie économique quand on a toujours un risque sur sa vie en tant que femme. Et c'est quelque chose, c'est un préalable à tout. Après, il va falloir qu'on prévienne Gérard Filoche notamment, va falloir qu'on mette l'écriture épicène dans tout le code du travail et mais surtout, plus sérieusement, il va falloir sortir l'artillerie lourde. On a quand même un gouvernement qui est le seul gouvernement au monde à avoir reculé sur l'égalité professionnelle, même pas dans la loi travail, mais dans la loi de l'année avant, en supprimant le rapport de situation comparée qui nous permettait d'avoir un état des lieux des inégalités femmes-hommes dans le travail. Et sans ça, on peut rien faire. Donc on récupère ça et puis ensuite on y va de manière un peu chargée. C'est-à-dire qu'on dit pas juste il y a des inégalités salariales, il y a des inégalités dans le CAC 40 ou autre. On y va avec des contraintes, et des contraintes très contraignantes, des contraintes financières. Vous, en tant qu'écologiste, vous vous êtes battu pour avoir des critères sur les marchés de respect des normes environnementales. Quand est-ce que le respect dû aux personnes que sont les femmes et cette moitié d'humanité seront des critères pour ne pas financer des entreprises, pour ne pas financer des marchés qui sont violents vis-à-vis des femmes. Il y a encore une chose à faire, c'est là sur cette loi de travail, on a quand même un danger qui est formidable. C'est pas juste une loi de travail qui casse nos acquis et nos droits, mais qui casse la dynamique de conquête des acquis et des droits. Et ces dynamiques de conquête-là, c'est particulièrement précieux pour nous en tant que femmes, parce qu'on a encore beaucoup de droits à conquérir. Et donc parmi ceux-là, le fait que la sécurisation de nos parcours ne soit pas une négociation en entreprise où on est oublié, ne soit pas remise en cause toutes les 5 ans, d'avoir une inscription dans la loi de la sécurisation des parcours professionnels des femmes, parce que sinon on se retrouve avec des moyennes de retraite des femmes inférieures de plus de 500 euros à celles des hommes, à cause de parcours professionnels dits accidentés, et c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. De même que finalement, un projet de loi féministe, un projet de loi travail féministe, économie féministe, en fait, il faudrait que je vous parle de beaucoup d'autres choses. Il faudrait une réforme fiscale, parce que notre système fiscal est basé sur le foyer, la famille, l'enfant. Bah, en fait, notre système fiscal, il est simplement patriarcal. Il fait de la femme un salaire d'appoint en permanence, des incitations à travailler, et quand on essaye de conquérir des droits, on nous dit « déjà, on vous a accordé le privilège de bosser ». Ou alors, moi, les féministes tunisiennes avec qui on parle beaucoup en ce moment, vous diraient qu'il faut aussi aller vers des réformes féministes de l'héritage. Tout ça pour dire qu'en fait, construire une loi travail féministe, c'est trop gros. Et en fait, on a d'abord besoin de déconstruire quelques siècles de codes civils, de codes du travail, pour pouvoir les reposer sur de bonnes bases. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, quand vous aurez vos programmes et vos prises de position là-dessus, on sera là gentiment à souffler à votre oreille les endroits à féminister, et puis on vous le dira aussi parfois très très fort avec des mégaphones en manif. Merci. Il y a des progrès à faire dans le domaine de l'égalité au travail, mais il y a aussi du progrès social à réaliser. Mais ça veut dire quoi, progrès social ? Le progrès social regroupe tous les progrès qui touchent à l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Le progrès social, c'est la conclusion de cette plénière où toutes nos réflexions doivent nous mener. Et pour conclure cette plénière, nous avons invité les deux secrétaires nationaux du Parti communiste français et de Europe Écologie Vert. Pierre Laurent, d'abord, c'est quoi le progrès social pour toi ? Vaste question. Avant de tenter de répondre, puisqu'on est là assez peu de temps, et qu'il faut être assez direct, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. C'est pas tout à fait ordinaire que le secrétaire national du Parti communiste vienne à l'université d'été d'Europe Écologie des Verts. Et pour moi, ça a beaucoup de signification. Et j'espère que ça signifie notre capacité commune
dans un moment politique qui n'est pas facile et dans une année qui va être très importante et où on va être confronté à des grands choix de société, à faire prévaloir entre nous et au-delà, dans la gauche et parmi les forces progressistes, un débat constructif. Tout va nous conduire à l'inverse. La pression est terrible pour faire que le débat politique se tienne sur des sujets qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas des sujets de progrès. Et si nous voulons imposer un débat sur le progrès social ou le progrès humain, il va falloir vraiment unir nos forces pour avoir ce débat positif. Et si nous ne sommes pas capables de faire dominer ça, nous serons dominés par les thèmes que nous imposeront la droite et l'extrême droite en tout domaine. Et malheureusement, comme nous sortons de 5 années où le gouvernement a contribué à nous mettre, à mettre les gens de gauche sur la défensive, c'est à nous de relever ce défi-là. Donc je pense que nous savons que nous risquons d'aller à l'heure qu'il est, ce que je ne souhaitais pas personnellement, ni mon parti, dans une situation peut-être plus dispersée qu'il n'aurait été souhaitable d'être face à une échéance de cette ampleur. Mais au moins soyons capables de faire dominer un débat positif entre nous et dans la société. Et donc merci pour cette invitation et le thème du débat de cette soirée qui relève justement de cette démarche-là. Et moi, c'est avec beaucoup d'intérêt que je suis ici. Alors le progrès social, c'est quelque chose... Le progrès social, c'est pas simple à définir en quelques mots. Pour commencer par une chose que j'ai envie de dire, moi, communiste, et sachant parfois quelques étiquettes qui nous collent à la peau, y compris parmi nos amis écologistes, pour moi, le progrès social, c'est pas la croissance. On pourrait discuter de la croissance, j'ai pas le temps de débattre de cette question-là. Le progrès social, aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est quelque chose qu'il faut réinventer, qui mêle à la fois à la qualité de la vie, encore faudrait-il discuter de ce que c'est que la qualité de la vie, mais qui ne se réduit pas, à l'accumulation de biens matériels et au consumérisme. C'est se préoccuper de la qualité de la production, de ce qu'on produit comme bien et comme service. Au service de quoi ? C'est pas la même chose de produire des logements dans lesquels on vit bien, des logements qui sont bien isolés, que de produire n'importe quel logement pour en vendre beaucoup, etc. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. La qualité de la production, c'est se préoccuper de la protection de la planète. Le progrès humain n'est pas dissociable de cette question-là, dans une planète dont nous savons que l'avenir est disputé et compliqué. Et puis, dernière chose pour moi, je crois que c'est l'égalité planétaire. L'égalité, c'est pas l'égalitarisme, tout le monde ne va pas être pareil au niveau de la planète. Mais le progrès social n'a de sens que partagé. Et l'horizon de ce partage, pour moi, aujourd'hui, c'est la planète. Ce n'est pas seulement mais qu'il faut, si on veut parler de progrès social, il faut avoir ces différentes choses en tête. La loi travail a été une question, pour rebondir sur ce qui a été dit avant et faire le lien, a été un moment, et annonce d'autres batailles, puisque cette bataille va continuer, très importante. La loi travail, c'est d'abord une imposture. Elle a été présentée au nom de l'emploi, au nom de la création d'emplois. Or, les faits, ça a été dit, je ne développe pas, je ne reviens pas sur ça, en plus je pense qu'on partage ces constats-là. C'est une loi qui organise le dumping social dans le cadre d'une mondialisation qui est conçue pour mettre tout le monde en concurrence. Et cette logique-là, elle est totalement anachronique. Et si nous la laissons perdurer, elle conduira à de nouvelles catastrophes sociales, humaines, financières, écologiques. Et nous avons 1000 fois raison de combattre cette logique-là. Mais ce n'est pas seulement les conséquences sociales immédiates sur les travailleurs et les travailleuses qu'il faut dénoncer. C'est que c'est une logique folle du point de vue de l'avenir de l'humanité et de la planète à l'échelle de notre pays. Mais on sait que des lois travail, je m'occupe du parti de la gauche européenne, il y a des lois travail dans toute l'Europe. Partout on applique ces modèles-là avec des effets qui, au total, sont dévastateurs.
Donc moi, je crois que nous devons porter, effectivement, nous ne devons pas nous contenter de la bataille que nous avons menée contre la loi travail. Nous devons essayer de porter un projet alternatif sur ces questions. Et c'est ça qui doit être l'objet de notre débat. Et d'ailleurs, Corinne parlait de la bataille que nous avons menée au Sénat, et ensemble et souvent de manière convergente. Nous avons cherché non seulement à démonter les dangers de la loi, mais à toujours porter des propositions alternatives dans ce débat-là, ce que les médias occultent toujours, évidemment, mais c'est à nous de mettre ça en valeur. Moi, je vais juste citer des questions que je ne développe pas, en plus elles ont été évoquées là. Je commencerai, avant de commencer par l'emploi, je pense que la question du sens du travail est pour moi fondamentale. Ce système tue le sens du travail, il détruit les métiers, il rend les gens inintelligents au travail, et il faut reprendre du pouvoir sur notre travail. Et c'est une question, et notre travail, ça n'est pas seulement le travail salarié à l'entreprise. L'activité humaine est faite de travail, d'activités sociales non rémunérées, qui sont aussi du travail. On pense aux femmes, mais à beaucoup d'autres aussi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont investis dans des activités sociales non rémunérées, qui contribuent à la richesse de la société. Et sur tout cela, il faut reprendre l'offensive. Il nous oblige, il nous enferme dans une vision du travail qui est une vision aliénante et qui ne correspond pas à ce qu'on... Et la souffrance, l'origine de la souffrance au travail, elle est liée aux conditions de travail, bien sûr, mais elle est beaucoup liée aussi aujourd'hui à la destruction du sens du travail. Et je pense que c'est une très grande question que nous devons porter à force. Deuxièmement, il faut parler du sens de l'entreprise. Et nous, les communistes en tout cas, nous ne parlons pas de ça, c'est ça. L'entreprise, ça n'est pas, c'est une communauté de travail dans laquelle tout le monde doit compter à égalité. Et il faudrait même, que nous menions ensemble, et nous travaillons là-dessus, il faudrait déposer des projets de loi sur le statut de l'entreprise. Il faut redéfinir ce que c'est que l'entreprise. L'entreprise, ça n'est pas quelque chose qui appartient aux propriétaires du capital, et dont les salariés sont des résidus qui défendent avec plus ou moins de bonheur leurs droits à l'intérieur de cette entreprise. L'entreprise, c'est une communauté de travail. Et de ce point de vue, l'économie sociale et solidaire dont il a été question, est une question pour nous aujourd'hui, et nous travaillons beaucoup là-dessus aussi, est une question très importante du point de vue du sens de la société. Il faut faire dominer dans la société d'autres types d'organisation de l'entreprise et d'autres conceptions de l'entreprise. Et nous avons beaucoup de choses à faire là-dessus. Troisième chose, la réduction du temps de travail. C'est une question majeure. Parce qu'on dit souvent, il va y avoir, Karima l'a dit tout à l'heure, parce que beaucoup de gens qui travaillent sur la numérisation disent ça, il va y avoir deux fois moins d'emplois. On peut dire les choses autrement. Le travail va produire beaucoup plus de richesses, avec beaucoup moins de temps de travail. Qu'allons-nous faire de ces immenses, et qui sont déjà là, mais qui vont augmenter de manière exponentielle, qu'allons-nous faire de ces immenses progrès de la productivité humaine? C'est ça la question. Or, aujourd'hui, le scandale qui est celui de la mondialisation capitaliste actuelle, c'est que ces progrès de la productivité, ils sont confisqués par des puissances financières de plus en plus petites, de plus en plus puissantes, de plus en plus dominantes, et on dégrade la situation d'une très grande majorité de gens sur la planète, alors que les richesses ne cessent de croître et que notre capacité à produire intelligemment et pour le bien, à réussir la transition écologique, à mieux soigner les gens, à habiter mieux et différemment, à réinventer la ville sur la ville, sont considérables. Mais au lieu d'utiliser ça à du progrès humain, on l'utilise à saccager la vie du plus grand nombre et à construire des catastrophes sociales et écologiques. Donc, la réduction du temps de travail, c'est le grand projet, probablement, effectivement, c'est un des grands projets de l'humanité du XXIe siècle. Et c'est une question, et je ne redéveloppe pas ce que tu viens de dire, mais c'est une question qui concerne les femmes et les hommes, mais qui concerne effectivement au premier chef les femmes,
qui peuvent, de ce point de vue, être un levier de la transformation de la société. Moi, je suis persuadé que la question des droits des femmes, c'est une question centrale pour transformer toute la société. Et je pense qu'il faut réinventer cette question. Et je dis encore deux mots. Revenu garanti, à propos du débat sur revenu de base. J'ai pas le temps de détailler pourquoi on a été réticent sur le projet, la proposition de résolution telle qu'elle a été déposée. Oui, l'idée du revenu garanti, c'est une idée sur laquelle il faut travailler. Le revenu garanti universel. Et nous sommes, nous, favorables à ça. Nous proposons ce que nous appelons, nous, un système de sécurité d'emploi et de formation qui comporte justement la garantie de revenus, quelle que soit la situation qu'on soit, en emploi, en formation, tout au long de la vie. La réduction du temps de travail, ça a été dit, n'est pas une question de réduction du temps de travail hebdomadaire, c'est une question de la réduction du temps de travail tout au long de la vie. Et je partage totalement ce qu'a dit Eva tout à l'heure, par exemple sur les congés sabbatiques, qui deviennent une question extrêmement importante pour beaucoup de salariés. Donc, et sur ces questions, et sur sécurité emploi-formation, je n'ai pas le temps de développer, nous avons déposé un projet de loi que nous voulons discuter, et nous sommes prêts à la confrontation sur ça. Mais effectivement, il y a des zones de débat. Il y a des zones de débat avec les versions libérales qui peuvent aboutir à niveler beaucoup de choses vers le bas, et auxquelles il faut être quand même très attentif dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais il y a des choses qui nous intéressent aussi. Dans notre proposition à nous, mais qui peut être discutée avec d'autres, effectivement, il y a des éléments de dépassement du salariat, parce qu'il faut qu'on invente un autre rapport au travail. Donc il y a des zones de débat entre nous sur cette question-là, mais on peut, comme je disais au début, transformer en zone de débat positive, même si on est inquiet, effectivement, de certains aspects de la proposition, notamment sur le financement et les cotisations sociales, qui sont un puissant levier de mutualisation de la richesse et qui sont massivement attaqués aujourd'hui. Et je pense que nous devons être extrêmement attentifs à ça. Et dernière chose, il y a l'immense problème, je le disais, de la prédation financière et des inégalités. Et il faut attaquer ce problème par des bouts divers. L'évasion fiscale, le sénateur Éric Bocquet, communiste, qui a beaucoup travaillé sur ça, sort un bouquin dans quelques jours qui va s'appeler « Sans domicile fisc » sur cette question de l'évasion fiscale, dont nous voulons faire une campagne nationale et européenne et internationale. Parce que ce qui se passe est proprement scandaleux et ça ne relève pas de ceux qui trichent avec l'impôt. C'est un système institutionnalisé de soustraction d'une partie croissante des richesses au bien commun et au bien collectif. Il y a la question des salaires. Même si nous envisageons des modèles qui seraient le dépassement du salariat, la question des salaires est fondamentale. Nous vivons une période de recul des salaires et de confiscation d'une partie croissante de la richesse au détriment des salariés qui est absolument incroyable et qu'on sous-estime très profondément. Et je l'ai dit, la question des cotisations sociales en fait partie. Les cotisations sociales, c'est quelque chose qui a été inventé, qui est profondément moderne et qui est une manière de mettre une part importante de la richesse créée par le travail au service de la protection collective de tous. Et nous sommes, nous, hostiles à tous les systèmes par strates qui ont été accumulés d'exonération de cotisations sociales, non seulement parce qu'ils sont inefficaces, mais parce qu'au fond, derrière ça, il y a une attaque massive contre la construction qui avait permis, des constructions sociales qui avaient permis, sous forme de salaires différés, en fait, de distribuer une partie de la valeur ajoutée, une partie très importante de la valeur ajoutée, au monde du travail. Et donc, nous ne pouvons pas laisser détruire ça sans se préoccuper. Et ça fait partie du débat sur le revenu de base et son financement pour nous, comme l'a dit tout à l'heure Jean. Et nous sommes prêts, là encore, au débat. Et mon dernier mot, c'est sûr que c'est mon dernier, parce que je vois que tu t'impatientes, à juste titre, puisque tout le monde a pris son temps. Je pense qu'il y a une question qui traverse tout ça, qui est la question démocratique. Je pense que nous en sommes tous convaincus ici, et nous en parlons souvent à propos de la vie politique, qui est devenue une caricature de vie démocratique.
ce que nous vivons en ce moment au Parlement, est-ce que nous allons vivre à la fois sur la loi Macron et sur la loi travail, avec le 49-3, en sont une des multiples illustrations, l'absence d'ordre proportionnel, etc. Bon, il y a mille choses à dire. Mais je veux dire que la question démocratique, c'est une question du travail. L'entreprise est une zone de non-droit démocratique. Dans l'entreprise, le pouvoir des salariés est réduit à rien. Et comment est-ce que nous pouvons reconquérir le pouvoir sur le travail, parler du temps de travail, reconstruire une autre entreprise, si les salariés n'ont jamais leur mot à dire sur rien, et singulièrement sur ce qu'on produit, pour qui, pourquoi, comment. Et je pense qu'ensemble, les communistes qui ont une histoire forte, y compris d'organisation au monde du travail, et les écologistes, nous devons travailler ensemble en confiance avec le monde salarié, avec le monde des salariés, pour faire grandir les droits du monde du travail. Moi, je pense que les gens qui sont au travail seraient mille fois plus intelligents si on leur donnait leur pouvoir d'intervenir sur leur travail et sur les conditions de la production que ne le sont ceux qui détiennent les capitaux et qui n'ont qu'une obsession, faire croître les dividendes. Et cet acte de confiance politique qui passe par gagner des droits pour les travailleurs est une question essentielle. Et je l'ai souvent dit au début du quinquennat, peut-être moins fort après, mais à tort, parce qu'à force de répéter des fois la même chose, on s'use, mais un gouvernement de gauche devrait commencer tout exercice du pouvoir par une grande loi qui élargirait les droits du travail, des travailleurs, sur le sens du travail et sur l'entreprise. Merci Pierre. Donc pour conclure tout ça, David, pareil, pas même question, mais pour toi, qu'est-ce que c'est le progrès social ? Ben, du coup, il faut tout reprendre depuis le début en développant. Parce que je pense qu'on attend encore. Non, mais blague à part, merci d'être encore présent et présent. C'est vrai que c'est très long parce qu'on a souhaité, non pas ce qui aurait été commode, réduire à dire tout le mal qu'on pensait et pourquoi on en pensait du mal de la loi travail. Pourquoi c'est important que Pierre, en tout cas je suis très sensible à ce que tu sois là ce soir, parce que c'est pas courant, comme tu l'as dit, que le secrétariat du Parti communiste français soit aux universités aujourd'hui d'été des écologistes, c'est que derrière les coalitions de rejet, il faut trouver, et je parle pas de trucs électoraux, mais des coalitions et des alliances dans la société de projets. Parce que sinon, on crée de la frustration et de la désespérance. Et ce qui nous a paru important, c'est donc d'articuler qu'est-ce qu'aurait été, non pas seulement notre loi travail, mais notre vision de l'évolution du travail. Le monde du travail, il a évolué évidemment tout au long de l'humanité, il a considérablement évolué dans la lignée de la révolution industrielle. Et nous, en tant qu'écolo, ça nous interroge, parce que c'est quoi, notamment la révolution industrielle ? C'est le moment où on est tous devenus des Iron Man, des Iron Woman, avec le pétrole, le gaz et le charbon. C'est-à-dire que la force s'est trouvée décuplée. Ce qui a généré de la croissance, c'est l'augmentation d'activité, tout ça. Or, on est à la fin de ce cycle économique-là. Pour des raisons physiques, pour des raisons aussi, tu en as parlé longuement, de gains de productivité, etc. Et donc, il faut révolutionner notre relation à qu'est-ce que le travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de travail, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser ce qu'on appelle parfois la valeur travail, mais ça veut dire qu'il faut réinterroger ce que peut être la valeur travail au XXIe siècle. Et ces trois piliers de réflexion de ce soir, que je vais effectivement pas tous reprendre, mais sur les progrès, ce qu'on appelle les progrès sociaux, la question du revenu de base, du revenu universel, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée ? C'est découpler les revenus du travail dit productif. Ce qui est un changement incroyable, alors que ça existe déjà, avoir des revenus sans mener un travail productif. Ça porte un nom, ça s'appelle la rente. Et cette économie rentière, elle est en train de considérablement se développer. La question derrière les revenus bas, c'est comment on partage la rente, comment on partage les gains de productivité. Et une des premières fois où j'ai eu l'occasion de t'écouter à la fête de l'UMA, t'as pas eu le temps, je pense, de le faire là, c'était aussi au début du quinquennat, face au
débat sur le coût du travail, le coût du travail, le coût du travail, qui avait développé un concept auquel j'avais été sensible de, on parle jamais du coût du capital. Alors bien sûr, c'est un champ lexical propre, mais qui résonne, parce que derrière le coût du capital qu'on ne quantifie jamais, il y a évidemment la question de la finance, il y a la question du hold-up du siècle, ce que tu développais sur les gains de productivité, où vont-ils, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et donc là, c'est capté par tout un système de trucs de finance, de culpabilisation des gens, parce que derrière la loi travail, c'est on culpabilise les gens en disant « mais vous ne travaillez pas assez, vous gagnez trop, vous êtes un boulet pour la société », c'est insupportable ce récit-là. Et donc face à ça, il y a besoin non seulement de réflexion commune pour construire un contre-récit. Sur ce qui était dit par rapport à toute la question du féminisme, et ton exemple est formidable de Philippot. On assiste au niveau politique, pourquoi il est formidable? Parce qu'on est dans le moment de la grande triangulation politique. C'est-à-dire que ceux qui devraient porter ces débats dont on parle, y renoncent à tout niveau, notamment à celui-ci. Et ceux qui sont, pour le coup, les vrais loups dans la bergerie, épousent ces thématiques-là, l'exemple typique étant l'affiche qu'on fait par Marine Le Pen de la France apaisée. Et donc, dans des enjeux politiques de grande triangulation, donc, il faut remettre du sens. Et remettre du sens, donc, c'est ne pas oublier la question des progrès sociaux qui ont été développés, j'y reviens pas, les revenus de base, on en a parlé également, et puis, mais Barbara et Eva en ont bien parlé sur le partage du travail. Alors, c'est vrai, les écolos, depuis au moins depuis plus longtemps que font le revenu de base, Jean, et l'ont revendiqué plus tôt, revendiquent le partage du travail. Parce qu'en réalité, la réduction du temps de travail, elle existe déjà. Ça s'appelle le chômage, ça s'appelle le temps partiel subi, et subi le plus souvent par des femmes. Et c'est là que tous les sujets se percutent, parce que quand on parle de revenu universel, on rend aussi du rapport de force aux gens, et notamment aux plus fragiles, et notamment aux femmes. Une femme aujourd'hui qui se retrouve toute seule avec... parce que c'est souvent comme ça avec les trois enfants, avec un temps partiel subi, elle n'a pas le choix, elle est subie, elle n'a pas de rapport de force dans la discussion où ce soit. Et donc, cette histoire de revenu de base, c'est pas quelque chose, dans mon point de vue, c'est parfois une crainte qu'on peut avoir qui dévalorise le travail. C'est au contraire un outil pour redonner un sens au travail. Et derrière, il y a un dernier argument qui avait été donné, mais il y en a de nombreux autres, c'est aussi une façon de réorganiser la résilience des territoires. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas systématiquement attiré par les lieux où l'emploi disponible existe, mais on peut développer des nouveaux modes d'entrepreneuriat, mais au sens noble, et avoir un revenu assuré, c'est avoir la liberté, quelque part, d'entreprendre. Pas au sens où on a voulu nous imposer de comprendre ce mot, mais au sens noble pour l'intérêt, pour le bien commun, pour etc., etc. Et ça organise aussi la résilience du territoire. Et s'il y avait une réflexion, cher Alain Colombel, à avoir sur le revenu de base, moi je serais pour explorer la possibilité qu'une part de ce revenu de base soit versé en monnaie locale. Parce que là aussi, une nouvelle économie plus ancrée sur le territoire, donc plus résiliente face à cette mondialisation qui aujourd'hui montre que son visage le plus hostile. Donc, je ne veux pas être beaucoup plus long parce que voilà les petites choses que je voulais reprendre, et vous me pardonnerez, c'est ramassé comme ça, vous avez été déjà très patient et aussi très attentif. Merci très sincèrement aux jeunes écolos pour toutes les raisons qui ont été dites à faire. Et puis, je vous dis à faire, mais aussi pour la disponibilité, la façon dont vous avez construit aussi cet échange. Ça a été un peu long parce que vous avez été aussi soucieux que chacun puisse prendre la parole, le temps de dire les choses, mais je pense que c'était quelque chose de riche, qui était une graine, qui maintenant il faut encore développer et rendre, c'est vrai, plus lisible avec des mots simples qui puissent convaincre. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à notre plénière. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est de vous donner rendez-vous d'abord sur notre stand pour découvrir notre campagne de rentrée sur la démocratie.